Maintenant, vous tous, je soif de ta présence. Ce soir, je serai sorti à 20h30 au plus tard. Alors, ça me donne une demi-heure. Si on peut nous donner le texte. Bon, là, je ne sais pas. Il se pourrait que je termine un petit peu plus tard que ça. Mais maintenant... Ok, patientez un tout petit peu. La chose se fera. I love him, don't you? Amen. He is wonderful. Je l'aime, pas vous? Il est merveilleux. Now, everybody, I promised tonight that I would be out by 8:30, so that gives me half hour. Maintenant, vous tous, j'avais promis que ce soir je serais sorti. Bien des hommes qui embrassent la croyance des pentecôtistes et la croyance de ceux de la sainteté. Ils y adhèrent et c'est ce qu'ils font profession d'être, alors que dans leur cœur, ils ne le sont pas. Bien des femmes font la même chose. We don't tell them they have to do it. We just give them the pattern. Tell them what the Bible says. And if they're born of a heavenly spirit, then their spirit is no more Americanized. It's no more Germanized. It's heavenlyized. For the kingdom of God. Because we are in another kingdom. A kingdom of God where decency, holiness, and power exist. Nous ne leur disons pas qu'ils sont obligés de le faire. Nous leur présentons le modèle, c'est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit. Et s'ils sont nés d'un esprit céleste, alors leur esprit n'est plus marqué par l'Amérique. Il n'est plus marqué par l'Allemagne. Il est marqué par le ciel, où se trouve le royaume de Dieu. En effet,
Nous sommes dans un autre royaume, un royaume de Dieu, où existe la décence, la sainteté et la puissance. We have access to our King. We have an interview with Him whenever we want to call upon Him. We have no other intercessors, no other mediator between the King and us, but that one man, Christ Jesus. Nous avons accès à notre roi. Nous avons un entretien avec lui chaque fois que nous désirons l'invoquer. Nous n'avons aucun autre intercesseur, aucun autre médiateur entre le roi et nous, que cet homme, Jésus-Christ, lui seul. So we are living in a kingdom, and it is called, in the chronology of the Bible, the messianic kingdom. Donc, nous vivons dans un royaume, et celui-ci est appelé, dans la chronologie de la Bible, le royaume messianique. Messianique. In other words, where the Messiah rules in every life in his dominion, ruling the lives of his people, a called out people from every walk of life, gathering them together in a group and calls it his church, or his called out ones. Isn't that a beautiful thing? Autrement dit, où le Messie gouverne, dans chaque vie qu'il y a dans son empire, où il gouverne la vie de son peuple. Ok, nous prions de tenir debout. Nous allons prendre le numéro 76. Je soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, viens, j'ai et demeure auprès. Seigneur, chaque oh, j'ai baisse. Viens, Jésus, viens, Jésus, et demeure auprès des ennemis dans l'ombre. Des ennemis dans l'ombre d'un accablé par leur nombre, que ferai-je
oui, chaque jour, oh, j'aime. Viens Jésus, viens chez, elle meurt auprès. Seigneur, chaque jour, oh j'ai besoin. Viens Jésus, viens chez, elle meurt auprès. Pendant le jour d'orage, oh oui, pendant le jour d'orage, l'obscurité de froid, quand faiblit mon courage, que ferai-je? Oh oui, chaque jour, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, elle meurt auprès. Oh oui, chaque jour, oh j'ai besoin. Viens Jésus, viens chez, elle meurt auprès. Oh Jésus, ta présence c'est la vie. Oh Jésus, ta présence avec nos mains levées, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus, elle meurt auprès. Oh Jésus, ta présence c'est la vie. Oh Jésus, ta présence c'est la vie. Oh oui, chaque jour, oh j'ai besoin. Viens Jésus, elle meurt auprès. Oh oui, viens Jésus, et demeure auprès. Chantons, viens Jésus, viens chez, et demeure auprès. Oh oui, viens Jésus, viens chez, tu es le même, en fait de moi. Viens chez, tu es le même, en fait de moi. Viens chez,
Nous allons suivre la prière. Nous appelons Honorable Oscar pour consacrer la réunion de la main du Seigneur. Nous allons suivre la prière. Nous appelons Honorable Oscar pour consacrer la réunion de la main du Seigneur. Seigneur Jésus de notre Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie. Merci Seigneur Jésus pour la bonne santé que tu nous as accordée ce matin. Nous sommes dans la joie de venir dans ta présence pour t'adorer Seigneur. C'est un grand privilège pour nous ce matin, oh Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange. Reçois les acclamations, Seigneur Jésus. Sois glorifié et béni à jamais, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, car c'est toi qui connais ce dont nous avons réellement besoin ce matin, Seigneur Jésus. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, parle à nos cœurs. Donne-nous quelque chose, Seigneur, qui va nous fortifier, qui va fortifier notre foi, qui va nous amener encore plus près de toi, Seigneur. Et qui va encore nous donner la connaissance, Seigneur Jésus, afin que nous puissions marcher, Seigneur, ô Dieu, éclairé par ta lumière, la grande lumière qui a brillé en ce temps de la fin, qui est le prophète William Marion Branham. Seigneur de tout puissant, nous disposons nos cœurs, ô Dieu, nous déposons, Seigneur, tous nos fardeaux au devant de toi, Seigneur Jésus. Puisses-tu, Père éternel, t'en occuper d'une manière spéciale, Seigneur, alors que ta parole sera proclamée ce matin. Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur, Seigneur, qui se tiendra ici. Nous te prions, ô Dieu, de le remplir davantage et davantage, Seigneur Jésus. Et quand il se tiendra ici, Seigneur, que nous puissions faire le plein, ô Dieu Tout-Puissant, que nos batteries soient rechargées, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, donne des grâces, que nous puissions retourner chez nous, Seigneur, étant fortifiés, Seigneur. Ô Jésus, rempli de la joie, Seigneur, nous croyons que tu vas le faire. Par ta parole ce matin, guéris, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Par ta parole ce matin, pourvois à tout besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous croyons, ô Dieu, que tu vas le faire ce matin, Seigneur Jésus. Et nous croyons, ô Dieu, que ta présence est ici ce matin, Seigneur, pour accomplir, ô Dieu, toutes les promesses de Dieu pour nous. Bénis, Seigneur, ce culte de maintenant jusqu'à la fin. Et bénis tous ceux qui sont en route, Seigneur. Nous recommandons tout à toi pour la gloire du Père. Dans le nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et confiance. Amen. Ok, nous allons suivre le rapport de l'école de dimanche. Nous appelons l'enseignant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donner les rapports de l'école des dimanches. Mais je vais donner pour la classe 2 seulement, parce que la classe 1, je ne suis pas bien. Je n'ai pas encore terminé. Et pour la classe 2, nous avions mis l'accent sur l'événement qui est célébré dans le monde ce matin. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la Bible.
kwa ajili ya kuingia katika ushindi katika Biblia kwa Yesu Kristo. Donc l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Kuingia kwa Yesu Kristo katika Yerusalemu. D'après le livre de Matthieu chapitre 21. Kulingana na andiko ya Mathayo 21. Et nous avions commencé à montrer aux enfants pourquoi cette entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Tuliambia watoto kwa nini kuingia kwa ushindi kwa Yesu Kristo katika Yerusalemu. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Na ilitafuta kumaanisha kitu gani? Et pourquoi ça devait se passer de cette manière-là? Na namna gani ilipaswa kutendeka mwili namna? Pour leur montrer que cette entrée était tout simplement l'accomplissement de Zacharie chapitre 14. Kuonyesha kwamba ilikuwa ni kuingia kwa kulingana na maandiko ya Zakaria 14. Et le monde sont en train de se réjouir. Na dunia iko nenda ikisherekea sur un événement qui est déjà passé. Kwa tukio ambako imekwisha kupita zamani. Et nous avions montré aux enfants que nous réjouissons. Na tuambia watoto kama sisi tunafurahi. Parce que cet événement fort. Sababu tukio hii imefika kwetu mnamna ingine. Pour montrer que ça autre signification autant de la fin. Kusema ya kwamba ina maana nyingine kwa wakati wa mwisho. Et cette entrée de Jésus-Christ à Jérusalem était en rapport avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ au temps de la fin. Et comment il était entré à Jérusalem? Nous avons montré aux enfants qu'il était monté sur l'ânesse. Et cette ânesse était un animal. Mais là, il était devenu une priorité divine. Ou priorité divine. Parce que le Seigneur avait dit qu'il en a besoin. Et nous avons dit aux enfants que c'est pour dire que si l'ânesse n'était pas là, Jésus n'allait pas monter, n'allait pas entrer à Jérusalem. Et pour faire le parallélisme, comme nous l'avons fait le matin, que en ces temps ici, nous avons encore l'ânesse, notre ânesse, qui est William Aaron Branham. Bien qu'il était primérien, mais il était une priorité divine. Alors, le Seigneur est monté sur lui et il est entré dans le monde. Et les enfants ont retenu que sans William Branham, on ne peut pas voir Jésus-Christ. Sans William Branham, ça veut dire qu'on ne peut pas entendre le Seigneur Jésus-Christ. Sans la photo de William Branham, on ne peut pas voir la photo du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 6. Et Zacharie 14, au chapitre 3, verset 4. Et le nombre de Bible 14 et l'effectif total 122 personnes et offrande 49 000 francs congolais. Que les riches bénédictions du Seigneur reposent sur vous. Et nous avons notre remerciement. La famille Grand Chef Molongo remercie le Seigneur pour tous les bienfaits. Nous sommes passés par le moment très difficile, mais Dieu de Branham nous a guéris. Que son saint nom soit loué à jamais. Que Dieu bénisse notre pasteur, le Foco du Ciel et tous les saints de l'Église Tabernacle. Signé famille Grand Chef Molongo. Nous remercions le Seigneur, il est là. Que le nom de notre Dieu soit loué. La famille Jean Bosco remercie tous les saints de l'Église Tabernacle pour leur assistance, tant matérielle, physique, morale et financière. Lors de l'épreuve douloureuse qui a frappé notre famille en nous arrachant notre petite sœur et notre maman, nos remerciements vont à notre révérend pasteur Simon-Pierre Lifoco, à nos administrateurs, à nos diacres, ainsi qu'à chaque frère et sœur qui a compati avec nous, de près ou de loin, pendant cette période très difficile pour notre famille.
Nous prions pour que le Dieu de William Branham, le Dieu du pasteur Simon Pierre, il faut qu'on puisse bénir chacun de vous. Seigneur et famille Jean Bosco, je remercie. Alors nous vous prions de vous tenir debout, nous allons louer le Seigneur. Saluez votre voisin, dites-lui shalom. Souriant et détends ton visage, lève le main vers celui que tu aimes, puis serre la main de ton voisin et fais-lui un souris, souris, souris. Détends le visage. Puis serre la main de ton voisin et fais-lui un souris, souris, souris. Saluez quelqu'un avec joie. Souris, souris, souris. Détends le visage. Lève le main vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Souris, souris, souris. Détends les visages. Élève le main vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Avec nos mains. Deux, trois. Deux, trois. Lève le main vers celui que tu aimes. Serre la main ton voisin. Avec joie. Enfin souris, souris, souris là. Détends les visages. Et lève le main vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin et fais-lui acclamer pour Jésus. Pousse un grand cri de joie pour le Seigneur. Acclamer pour notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Amen. Avec nos mains pour le Seigneur.
avec la main pour Jésus. Ensemble, je suis heureux. Je suis heureux. Voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant, tout le jour de Jésus le même. Oh oui, moi je suis heureux. Voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant, tous les jours, avec les mains, gloire à Jésus. Chantons, je suis heureux, heureux, voilà la raison, son plein pardon. Et maintenant, tous les jours, oh, mon cœur accablé par un pesant fardeau, sous la joie les brins. Le jour, amen. Oh oui, mon cœur accablé, fardeau, car Jésus soulage à l'œuvre. Et maintenant, oh oui, tous les jours, oh oui, chantons, je suis heureux. Voilà la raison. À l'œuvre. Et maintenant, tous les jours, oh oui, chantons, mon cœur accablé, fardeau, car Jésus soulage à l'œuvre. Et maintenant, tous les jours, vous êtes grand cri déjà pour Jésus. Oh! Nili pofika Golgotha, nikaiona ugu. Ne makuba kama muto, ne maya. Nili
pona kwamba Yesu alichukua dhambi ne maika derereka na moyo kweli neema Jésus, à lui soit la gloire, à lui soit les cris de joie. Na shudia, kweli Yesu ni wimbo.
main de danse pour Jésus. À lui soit la gloire, les cris de joie. Alléluia. Merci Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, okay. Oh oui, chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu si merveilleux. L'amour de Dieu, merveilleux. Oh oui, chantons comment il est. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas, le renverser. Il est si large. Alléluia. Oh oui, chantons comment. Quoi,
Kweli siku inakuja. Kweli siku inakuja. Tutaruka ruka. Cheza. Hallelujah. Kweli siku inakuja. Kweli siku inakuja. Ya fura tutaruka ruka. Cheza, cheza. Oh. Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur? Juste saluer-les, saluer un plus grand nombre de saints. Salimi à Watakatifu Wengi. Ah, saluez-le. Wa salimi kwe. Souris donc, et de dans ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin et fais. Oui, oui, souris donc, souris donc, et dans ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes. Saluez la de ton voisin. Saluez ton frère, tu dis que Dieu te bénisse. Souris, souris donc un sourd. Et lève les mains vers Dieu. Sous contrôle ce matin. Lève les mains vers Dieu, oui, vers ceux.
que tu es, c'est Alléluia, voisin et fais lui un sourire. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Oh oui, reçois-le, adorez-le. Tu es le roi de notre victoire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et main, reçois l'adoration. Il a besoin de ton adoration ce matin. Il n'a pas besoin que les anges lui chantent. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, émane. Garde mes yeux, garde mes yeux, deux attraits, deux. Garde-moi près de la croix. Ce lieu saint, où mon âme est faite d'humilité et de joie. Oh oui, reçois l'adore. Qui est le roi? Dieu dans de lieux très hauts. Et surtout paix sur la terre aux hommes qui s'est choisi. Que son nom soit béni en ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et je bénis le Seigneur. J'ai vu ma soeur Kayembe. Iliona dada yangu Kayembe. M'a dit qu'elle était sérieusement malade à l'hôpital. Waliambia ligonja sana hospitalini. Et la voir ce matin, je l'ai vue en train de venir en l'église. C'est simplement la joie du Seigneur. Mona asubuya leo kwa hali aliyomo inaleta furaha ya Bwana. Elle est où la maman? Mama Kayembe yupi? Elle est où? Ah voilà. Et Dieu la bénisse richement. Ah, merci Seigneur. Merci. C'est quelque chose qui méritait beaucoup plus des acclamations. Quelle est la Zafra?
Parce que quand le tableau est sombre, wakati, quand le tableau est sombre, ali naonekana kuwa haina tena vizuri, et que au-delà de cela, alafu zidi ya hiyo, notre Dieu peut agir et travailler. Mungu wetu anaweza akatenda. Pour nous, elle devient un témoignage vivant. Kwetu sisi dada anakuja ni ushuhuda iliyo hai. Gloire à Dieu. Et encore une fois, je vois aussi le chef Mulongo qui est là. Pili, naona chef Mulongo aliye pale. Mets-toi un peu debout, papa. Qu'on te salue. Tuka msalimia. Merci, Seigneur. Asante, Bwana. Merci. Asante. C'est lui aussi pour vous asseoir. Anaweza kuikala. Comme moi, il était déjà dans des régions de perdu. Kama mimi alikuwa shaenda kwenye fasi ya waliokufa. Mais merci au Seigneur pour l'avoir ramené parmi nous. Akitanti kwa Bwana wa kumurudisha kati yetu. Amen. Sema amina. J'étais chez lui, il m'a expliqué d'où il était parti, d'où il était. Kwake, akanifasiria nafasi kwenye alikuwa. Ça ne peut être que la main de Dieu qui peut le ramener. Ni mkono wa Mungu kabisa ndio uliomrudisha. Et comme frère Branham dit, quand vous avez en face de vous, ndugu Branham anasema mbele yako, un témoignage, un miracle. Ukiwa na miujiza yani ushuhuda. Alors cela doit changer votre système entier. Ile itabadilisha hata système yako yote mzima. Ah, ça doit te faire une mise à jour. Yafadhali irudishe mambo yote kusawa. Ça te fera une mise à jour. Itakurudisha mambo yote na kuwa msawa ya leo. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Et je crois que quelqu'un sera béni ce matin. Mimi nafikiria sema kuna mtu atabarikiwa asubuhi ya leo. Amen. Amen. Et aussi pili ni kwamba, avant que je ne puisse entrer vraiment dans la parole, il y a deux questions qui m'ont été posées. Kabla sijaingia katika sauti ya Mungu, niliulizwa swali mbili. Ce sont des questions qui ont été posées à frère Silas. Ni maswali waliomuuliza ndugu Silas. Et il a eu quand même la amabilité. Alipenda kabisa kwa uzuri wa Jeremette question au pasteur de l'église. Akamtolea yeye maswali hiyo mchungaji wa kanisa. C'est un tout d'abord, il y a des frères qui ont posé des questions sur Saint Valentin, est-ce que c'est dans le message, est-ce qu'on peut fêter cela? Kwanza wandugu walipenda walimuuliza sema mwa hii ujumbe kuna watu wanaweza kusherekea Saint Valentin. Saint Valentin qui n'est rien d'autre que la fête des amoureux. Saint Valentin ni karamu ya wale wanapendana. Des amoureux. Wanaopendana. Frère Branham dit ici. Nabi anasema hapa. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Mahubiri Yesu-Christ ni sawa sawa jana leo na hata milele. Prêché jeudi le 12/2/53 paragraphe 3. Tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 53 fungu la 3 anasema. Elle m'a offert un petit cadeau. Huyu mke alinipotolea gift mzuri, yani zawadi. C'était une petite enveloppe. Ilikuwa ni envelope moja kidogo. Comme j'ai parlé à l'enfant. Wakati nilikuwa nikiongea na mtoto. Je n'ai pas fait cas de cela. Sikusema yeye maneno yale. J'ai mis cela dans ma poche. Hii envelope nikaitia tu kwenye fuko. Quand je suis arrivé à la maison. Nilipofika nyumbani. C'était une carte de la Saint Valentin. Ilikuwa ni kadi ya Saint Valentin. Fête des amoureux. Karamu ya wenye mapendo. Célébré le 14 février. Inayosherekea tarehe 14 mwezi wa pili. Je me suis dit. Nikasema que c'est mignon. Ni nzuri. Une fille avec un petit poème de plus beau. Binti na ka poème kazuri. Et je si elle est dans l'auditoire ce soir. Ah, nafikiria sijui kama iko hapa katika kusaniko. Je te remercie sincèrement ma chérie. Binti na shukuru sana. Et cela signifie beaucoup pour moi. Kwangu inamaanisha vitu mingi. De le savoir. Kwa kujua vile. Et c'est quelque chose en rapport avec l'amitié. Hii maneno ni kitu inambatana na mapenzi, yani urafiki. Je suis sûr de savoir que Jésus lui a redonné la vue. Mimi niko waheri ya kujua sema Yesu amemkabidhi macho. Après que le nerf optique s'était sectionné. Wakati mishipa ya macho ilikatika. Mais cela s'est reconstitué en repoussant. Na mishipa hiyo ilianzula tena ikaungana. Dieu le grand guérisseur. Na Mungu mganga mkubwa. L'a rétabli. Alimpatia afya. Je crois qu'il a récompensé ce papa pour sa foi. Nafikiria alimlipa huyu baba juu ya imani yake. Et cette fille pour sa foi. Na binti huyu juu ya imani yake. Et je crois qu'à la fin de ces réunions. Na minia mwisho ya kusaniko hizi. Il y aura beaucoup de témoignages. Ni ushuhuda zitakuwa nyingi. Semblable pour la gloire de notre Seigneur. Kama hii juu ya utukufu wa Bwana wetu Yesu. Je crois que s'il y avait à condamner cette fête, c'était ici l'occasion.
Que Frère Branham dise que c'est une mauvaise fête, patati patata. Je crois qu'elle devient une mauvaise fête quand quelqu'un peut laisser sa femme. Wakati mtu anaacha mke wake, il va dans le monde pour se trouver une prostituée. Anaenda mudunia njio ya kupata na malaya yani. En ce moment là c'est une malédiction. Pale sinakuwa njio mafingo. Mais tu aimes ta femme. Unampenda mke wako. Tu es amoureux d'elle. Unampenda bibi yako. Le message n'est pas contre que tu aimes. Ujumbe ukatalie wewe kupenda. Donnez-moi un amen. Amen. Bon, si vous le savez, moi, il m'arrive des moments, j'ai fête le 14 février là, moi. Kama mujui, mimi peke yangu, wakati nalifikiaka na sherekea hiyo karamu ya tarehe 14 mwezi wa pili. Ouais, je laisse mes enfants à la maison, je ne prends que ma femme. Naacha watoto nyumbani na chukua mke wangu peke yake. Et nous partons dans un bon restaurant, on mange bien. Tukaenda jikoni nzuri na kukula. Et si un enfant parlait, je dis, si un enfant veut parler, je lui dis, où étais-tu quand nous avons posé le fondement de la terre? Et puis en dépôt de cela, vous tous vous allez partir. Vous allez me laisser seulement toi et ma femme, moi et ma femme. Donc il y a de quoi que je puisse lui faire la joie. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais il y a des traditionnalistes africains. Kuna wenye kiasiri wa Kiafrika. Même pour marcher avec sa femme, la tenir dans la main comme ça. Hata njoo utembea na mke wake kumshika mkononi. C'est comme si c'est un péché. Kwake inakuwa ni kama dhambi. Moi. Mimi. La tenir. Kumshika. C'est toujours une marche distancée. L'homme est là-bas. Safari ya kuachana mke. Et la sœur est kule derrière, c'est-à-dire abandonnée, elle m'a pauvre d'elle avec des enfants. Bibi enfin, je regarde à la fenêtre, je dis, ah, ce frère ici, c'est un égoïste. Hein? Alors que tu pouvais bien wakati ulo naweza tu, prendre un bébé, kuchukua mtoto bébé, la un peu, la laisser un peu pour qu'elle soit un ouais, peu dégagée. Unamwachako bibi na mpepo. Amoureux. Wa mapendo. Aimer sa femme. Kumpenda mke wake. Et vous avez vu cette petite fille. Na uliona huyu mtoto binti. A envoyé une enveloppe à Frère Branham. Akamtumia ndugu Branham envelope. Et dans laquelle il y avait une poésie. Na kwa hiyo kadi alikuwa ameandika masemo ya wimbo. Et Frère Branham était très content. Ndugu Branham alifurahiwa. Parce que la petite a montré aussi son amitié à Frère Branham. Yule binti alionyesha kisi anakuwa rafiki ya ndugu Branham. Donc Frère Branham est allé plus loin que ça. Ndugu Branham akaenda zidi ya ile. Et il y a même des gens qui sont mariés mais qui ont oublié même la lune de miel. Kuna watu walishaoana wamesahau hata mwezi wa sari na siku ya kwanza ya ndoa. La date de leur mariage. Walishasahau tarehe ya siku ya kuoana kwao. Donc ça n'existe même pas dans leur tête. Mukicho kyabo alikalage ko tena. Et ça c'est très grave. Ile ni hatari. Frère Branham dit ne laissez jamais cette lune de miel s'éteindre. Nabii anasema msiache hiyo siku ya kuoana ipotee izimike. Faut toujours continuer à le faire. Mwendelee kufanya vile. Quand tu as même des moyens. Ukiwa na namuna. Au lieu de faire la lune de miel, tu peux même reprendre encore les mariages. Wale ya kufua kusherekea tu siku mlioana unanzurula tu tena ndoa banafua tena ibada nyingine. Tu reprends. Unamshika unambeba. Les sœurs aiment ça. Wadada wanapendaga vya vile. Qu'on les honore de cette manière là. Waheshimie gisi ilivyo. Je connais parce que quand on s'est marié avec mon épouse, najua kwa maana siku nilipooana na mke wangu, je n'avais absolument rien. Siku kwake na kitu nilikuwa tu mikono na mikulu. J'ai porté des chaussures que j'avais teintes. Nikona voa viatu nilipakala rangi. J'ai porté une veste que j'ai achetée dans le tombola. Nili voaka koti nilinunua mu kombo. Et une chemise qu'un frère m'avait donné. Na shati ambayo Mungu ndugu mwa alinipatiaka. Avec la cravate et tout. Pika cravate pale yulu basi. Je n'avais pas trop voulu demander à qui que ce soit.
Je m'étais concentré beaucoup plus sur la dot. C'est ça même le mot, le faire part là. Vous n'êtes pas un véritable rédempteur. Les gens qui aiment toujours demander de faire part et tout ça. Non, tu dois racheter ta femme toi-même. Tu dois être le Goël. On a pas ça quoi Goël. Goël, c'est celui qui remplit toutes les exigences. Goël, ni mtu mwenye anatimizwa makanuni zote walimuomba. Eh, il y a des gens. Kuna watu. Eh, inaria. Ana na kitu. Ils appellent ça la foi. Wanaita sema njoo imani. Je mets déjà la date. Anatia na tarehe ya kufanya harusi. Ça c'est des risques. Ile c'est pas la foi. Ana imani uko na pima. C'est des risques. Ah, ni pima ushiki. Et dans ces risques là, tu peux aussi nous entraîner dans les risques. C'est ça. Ile makupima unaanza kupenda shii wote tukufuatie. La belle famille peut commencer à nous critiquer. Oh. Les gens de Branham ne sont pas sérieux. Bako yako wanaanza kutusema, oh bantu ya Branham hawana bien. Alors que toi-même tu es rentré dans ta logique que tu appelles la foi. We uliingia mawazo yako ile unaditia wewe asema imani. Il y a un frère qui m'a dit, je n'ai rien. Du coup, moi, quand il y a un peu de temps, je n'ai pas la foi. Kwa imani. J'ai déjà donné la date. Nilisha tandika na siku ya harusi. J'ai dit, frère, ça c'est vraiment Tintin au Congo. C'est du Tintin au Congo. Iko nafanya ni mangobo mkongo. C'est une aventure avec beaucoup d'épisodes. Parce que là, ni bukulukulu, vous ne savez pas comment ça va s'arrêter. Hauyue vitasimamia wapi. Et c'est comme ça que je m'étais marié dans cet état de choses. Oh, on n'avait même pas la voiture pour aller à l'église. J'avais fait les pieds. Mais j'avais promis à mon épouse. Le jour où j'en aurai. Amen. Je vais t'honorer tellement que. Je te placerai tellement haut que même tes pieds ne vont pas toucher le sol. Et c'est ce que j'ai fait. Quand on avait 20 ans de mariage, on a repris le tout. Mais ce qui m'étonnait, c'est la manière de mon épouse danser pour entrer à l'église. Et elle se prenait vraiment pour une petite fille. Donc elle était là dedans. Oh. Nous on est déjà vieux, viens rapidement. Il y a un diacre qui m'a dit non, laisse-la. Elle a dansé, au point qu'elle avait même transpiré. Bon, je l'ai laissé parce que c'était sa joie. Et vous devez le faire. Donc, Saint-Valentin, je n'ai pas vu l'offre Branham en condamne. Quand le prophète, non, j'ai dit, moi je n'ai pas encore vu. Mais qu'elle a déjà vu, ça nous aidera parce que la révélation elle est progressive. Moi je ne mets jamais un point, toujours virgule, parce que Dieu peut aussi nous révéler quelque chose. Et je serai le premier à revenir pour demander pardon. Je le ferai. Maintenant, il y a une deuxième question. C'est un peu concernant ce qu'on appelle les TV loteries. TV loteries. TV loteries. TV loteries. Il y a des gens. C'est bon. Les autres, ce n'est pas bon. Diabolique. C'est une bénédiction. Patati. Patata. Ça, on n'a pas une citation. Mais on va essayer un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle Divi Lottery. Wacha tuwa simulie Divi Lottery ni kusema nini. Le mot tout d'abord Divi. Il est msemo Divi, D-V. Ça veut dire diversity. Sema diversely. Visa. Visa. Donc les visas de la diversité. Manake visa ya kuchakula muntu kwa rafla tu. Les États-Unis ont une politique America, wana siasa moja, qu'ils ont mis en place en 1900,
96 ou 96, voté par le congrès d'accorder les visas au pays de la diversité qui ne sont pas représentés aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des pays où vous ne trouvez même pas une personne de ce pays-là aux États-Unis. Maintenant, eux, ils ont mis en place une politique pour que cette diversité-là vienne aux États-Unis. Et quand ils viennent aux États-Unis, on leur donne directement la carte verte depuis l'aéroport. Et on leur donne même la maison. Et même un travail directement. Donc chaque année, il y a ce qu'on appelle un quota de 55 000 visas. Kila mwaka wanaleta takriban ya visa pour le monde entier. Dunia mzima. Est-ce que vous me comprenez? Nanielewa. Non, mais dites amen si vous me comprenez. 55 000 visas. Donc, le Congo peut avoir 3 000 visas. Et les autres pays se partagent les visas. Donc les pays de diversité. Et en Afrique, il y a des pays qu'on appelle les pays de diversité aux États-Unis. L'Algérie, l'Angola, l'Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, République Centrafricaine, les Comores, le Congo, les deux Congos, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous tous, vous était vos candidatures mnaandika à ces divi. Mnatolea hiyo aliko kwa hiyo divi. C'est gratuit, vous ne donnez pas de l'argent. Haiko ya kulipia kitu. Ce sont des gens de cybercafé qui vous demandent de l'argent. Mais selon le gouvernement américain, c'est gratuit. Wapa ndio wanaomba pesa lakini America kwao ni bure. Et quand vous donnez, ukishapeleka, il y a des critères pour la sélection. Kuna makanu matabaka ndio ya kukuchakua. Quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est très difficile qu'on puisse vous inscrire dans les divis. Tu dois avoir au moins un diplôme d'État. Ou encore un travail, un métier. Électricité, patati, patata. Alors vous tous, vous vous soumettez. Dans les 55 000, là, vous vous soumettez. Et l'ordinateur, computer, c'est celui qui tire le tombola. C'est l'ordinateur qui tire la loterie. L'ordinateur commence à tournoyer. Là-bas à l'intérieur, il y a l'ifoko, il y a kalala, il y a patati, patata, patata, patata. Par exemple, ici, nous sommes nombreux. Nous sommes combien de millions? 100 millions, hein? Chapitre 100 millions. Avec beaucoup de chômeurs. Wengi. Et des gens qui espèrent partir. Donc chez nous, les 10 villes, parfois pour notre pays, mais c'est dans les 500 000 candidats. Comment tous les 500 000 alors que le visa pour la terre entière, c'est 55 000? C'est là où on laisse la chose à l'ordinateur de faire la sélection. D'où le nom de loterie. Donc, en fait, c'est ça. On est en train de sélectionner qui et qui et qui. Il est aussi vrai que frère Branham est contre la loterie dans l'église. Cette loterie-là est différente des 10 vies loteries. Par définition, loterie, c'est le partage des parts et des gains en utilisant le hasard.
Et derrière, il y a de l'argent. PMU. Je ne sais pas comment on appelle ici, Cogelo, PMU, je ne sais pas. Donc c'est des trucs comme ça là. Ouais, on est en train de sélectionner, patati patata et tout. C'est très différent de ce qui s'est fait aux États-Unis. L'ordinateur sélectionne. Et dès qu'il trouve le quota des États, ou soit de la RDC, alors on prend tous les noms, les 3000 personnes, on vous envoie des messages que vous êtes sélectionné. Et maintenant vous pouvez aller à l'interview. Si c'était seulement le hasard comme ça, est-ce que tu dois aller dans l'interview? Parce qu'on doit te poser des questions. Comme chez vous, il y a la guerre. Est-ce que toi, tu étais à l'est là-bas? Oui. Est-ce que tu avais tenu l'arme? Oh oui. Toi? Oui, oui. Il est très difficile qu'on t'amène parce que tu sais déjà manier les armes. Toi, est-ce que longtemps tu n'étais pas un rasta? Oh oui, j'étais rasta. Est-ce que tu avais déjà goûté l'affaire là? Oui, le matin, le soir, moi. Voilà. Ça, c'est maintenant, c'est le vice-consul. Ou le consul. C'est celui qui apprécie. Même si tu as été sélectionné, l'interview détermine maintenant le visa. Tu fais quoi ici? Moi, je me débrouille. Hein? Ah, et tu as quoi en main comme travail? Rien. Lève-toi, dis maintenant ton frère, on va entrer par la parole. On va lire donc dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, chapitre 14, verset 34. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon frère, de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en saviez le chemin. Thomas lui dit, Thomas akamwambia, Seigneur, Bwana, nous ne savons où tu vas. Hatujui pahali unapokwenda. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Na tutajua njia namna gani? Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je suis le chemin. Mimi ndimi njia, la vérité na kweli, et la vie. Na uzima. Nul ne vient au Père que par moi. Mtu hakuji kwa baba ila kwa mimi. Si vous me connaissiez, kama mngalinijua mimi, vous connaissiez aussi mon Père. Mungalijua baba yangu vile vile. Et dès maintenant, vous le connaissez. Na tangu sasa, mnamjua. Et vous l'avez vu. Na mmemwona. Philippe lui dit, Philippe akamwambia, Seigneur, Bwana, montre-nous le Père. Utuonyeshe baba. Et cela nous suffit. Basi, inatufaa. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps que je suis avec vous. Nimekuwa pamoja na nyinyi wakati mrefu. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Na hukunijua Filipo. Celui qui m'a vu, ambaye aliniona mimi, a vu le Père. Ameona baba. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Namna gani unasema utuonyeshe baba? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Hawaamini ya kwamba mimi ni ndani ya baba. Et que le Père est en moi. Na baba ndani yangu. Les paroles que je vous dis, maneno niyosema kwenu, je ne le dis pas de moi-même. Sisemi kutoka kwangu mwenyewe. Et le Père qui demeure en moi, lakini baba anayekaa ndani yangu, c'est lui qui fait les œuvres. Anafanya kazi zake. Et Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous asseoir. Mnaweza kukaa. On va toujours parler de oratos. Dis à ton frère oratos. Tutasemea kuhusu oratos.
Et ce matin, nous allons interdire l'interdit. Asubuhi ya leo, tutakataza kile kilichokataliwa. L'interdit là. Kile kinakataliwa, ile mikoshi. On va l'interdire. Tutaikataria sasa. Donnez-moi un amen que je prêche. C'est ma mine, hein, non, ça c'est pas l'amen qu'il fallait. Amen. Donnez-moi un véritable amen. Leta amina ya kawaida. Je vais commencer tout d'abord par dire ceci. Kwanza ntasema maneno haya. Que le temps dans lequel nous vivons, ya kwamba wakati ambamo tunaishi, c'est le temps le plus glorieux. Huni wakati wa utukufu zaidi. Dis-le à ton frère, c'est le temps le plus glorieux. Sema ni wakati wa utukufu zaidi. Des citernes crevassées, paragraphe 20. Tuku imetoboka kufungo 20. Bien nous, c'est un grand jour. Si, hii ni siku kuu. L'un des plus grands privilèges. Moja wa nafasi kubwa. Si je devais. Ningaliweza. Si j'avais connu. Ningalitambua. Avant qu'il y ait eu un monde. Kabla dunia kuwepo. Quand nous étions des âmes. Tulipokuwa mitima. Une partie de Dieu. Sehemu lake Mungu. Et c'est ce que nous sommes. Car nous étions en lui avant la fondation du monde. En effet, il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et c'est Dieu. Et nous faisons partie de lui. Nous étions pas au point de savoir et de pouvoir passer d'avoir un être. Mais nous étions dans ses pensées. Ce que nous étions avant la fondation du monde, en effet, nous faisions partie de lui. Comme mon fils fait partie de moi. Et que moi je fais partie de mon père. Ainsi de suite. Nous sommes fils et fille de Dieu par sa préscience. Et là, dans la nuit des temps, si j'avais eu la connaissance que j'ai maintenant, et si j'avais pu avoir, voir toute l'étendue du temps, et qu'il m'eût demandé à quelle époque aimerais-tu vivre? J'aurais dit en ce temps-ci, maintenant même. Leo sasa. À la veille de la fin du monde, de l'histoire du monde, et de la venue du royaume de Dieu, qui doit être établi sur terre, je pense que le moment le plus glorieux de tous les âges, c'est maintenant même. Je ne sais pas si je prêche aux croyants. Ces temps dans lesquels nous vivons, dans l'histoire de l'humanité, c'est le meilleur moment. Si c'est un meilleur moment, et Dieu ne peut pas laisser aussi n'importe qui venir vivre en ce temps. Il faut aussi des gens meilleurs pour vivre des meilleurs moments. C'est pourquoi j'ai dit que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un. Que quelqu'un me donne un amen. On dirait quand je l'ai dit à quelqu'un qui ne comprend pas. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui même aller au ciel, on a contourné la procédure. Tulikatirisha njia. Je vais dire à quelqu'un, même aller au ciel aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Inakuwa kitu kiepesi sana. Non, croire
baptême, patati, patata, patata. Dieu a regardé, il a dit non. Aujourd'hui là, je vais leur donner quelque chose. Monsieur Branham, si tu amènes les gens à te croire, donc aujourd'hui, croire un frère. Ok, quelqu'un me donne un amen. Frère, je sais que tu as des hauts et des bas. Mais ne diminue jamais l'amour que tu as pour les prophètes. Il y a des effets bénéfiques. Il y a des choses. La guérison est à l'intérieur. Si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Donne-moi une amen. Il faut tout d'abord que quelqu'un qui est assis là comprenne. En dépit de ta faim que tu n'as pas mangé, je m'en fous. En dépit des dettes que tu as dans le monde qui t'enlève la joie, je m'en fous de cela. Mais s'il y a eu un temps glorieux, ou même quand tu n'as rien, tu peux commencer à remercier le Seigneur pour ce temps ici. Est-ce que tu te rends compte qu'en croyant le message, tu fais partie du programme de Dieu? Encore un amen. Sema amen. Un paradoxe. Paradoxe, paragraphe 68. Oh, j'ai aimé cette citation. Kweli nilipenda mko huu 168. Paragraphe 68. Paradoxe. Écoutez. Hebu sikilizeni. Jésus-Christ. Écoutez. Sikilizeni. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ yu hapa. Non, frère. Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ maintenant même, Ivi sasa, parmi nous. Kati yetu. C'est un paradoxe. Mambo ya kushangala. Le fait qu'il soit vivant, ya kwamba yeye yuai, après 2000 ans, baada ya miaka 2000, qui pourrait expliquer cela? Nani ataweza kufasiria ile? Que lui, l'esprit invisible, yeye roho sione, alléluia, sione, puisse kano venir, apate kuja, nous prendre un individu, atushike, achukue mtu mmoja, et s'identifier parfaitement, ajifananishe naye kabisa kabisa, s'incarner dans un individu, aingie ndani ya mtu mmoja, comme vous, kama nini, en tant qu'un croyant, wewe kama mwaminifu mmoja, et pour un don, na kwa zawadi, c'est un paradoxe. Ah, hii ni mshangao kweli. Personne ne peut comprendre cela. Hakuna wezaye kuelewa maneno haya. Personne ne peut comprendre comment. Hakuna weza kuelewa ya kwamba namna gani. Il peut très parfaitement dire. Anaweza kusema kabisa kabisa. À chaque personne de ce qu'il y a. Kwa kila binadamu, kwa mambo yaliyoko. De quoi il s'agit. Amwambie ni nini. Le lieu. Fasi. Et ce que c'est. Na inamaanisha nini. Sans jamais se tromper. Bila kukotola. Hallelujah. C'est parce qu'il est Dieu. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Il ne peut pas se tromper. Wala hawezi kakotola. C'est un paradoxe. Huu ni mshangao. Non, moi je dis amen à votre place. Mimi nasema amina kwa fasi yenu. C'est un paradoxe. Est-ce que suis-je dans le bon auditoire pour parler? Najiuliza eti kama niko katika kikundi kizuri cha kusema. Hein?
Je sais qu'il fait chaud, mais je vous prends d'ici pour vous amener dans une autre assemblée. Parce que les vrais croyants sont assis maintenant dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Alors moi aussi je vous prends. Alléluia. Madame Kalombo, il faut dire amen. Madame Kalombo, c'est ma amina. Il ne faut pas être là à regarder, maman. Ce sont ces choses ici qui changent la vie des hommes. Croire qu'il est ici et qu'il a pris un individu. Laissez-moi vous dire. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas l'ifoko. L'individu dont il est question s'appelle William Marion Branham. Et Jésus lui-même s'est incarné en lui. Ne nous demandez pas de vous expliquer. C'est un paradoxe. On n'explique pas les paradoxes. Et quelqu'un crie alléluia. C'est alléluia. Oh, si vous prêchez comme ça, oh, mukiubiri vile, vous risquez d'adorer. On adore pas. On n'adore pas. Ato abudu mutu apa. Quelqu'un me dit, life attaque un peu. Life, choma bintu. Comme le diable ne m'a pas pu me prendre. Yesi bilisa alishinda kunibeba. Il aura chaud ce matin. Leo ataona kiamutemankuni. Je vais parler. Leo nda ubiri. Écoutez, si quelqu'un ne croit pas toute la parole, il n'a pas le Saint-Esprit. Il a un autre esprit qui est négatif. Il y a quelqu'un qui disait, oh, il faut qu'on prêche que des choses dures. Mais qu'est-ce qui est dur? Celui qui l'a dit là, il a dit que c'est dur. La dureté dans ta tête. Tu n'arrives pas à accéder à la vérité. Oh. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 29. Écoutez un peu. J'aurais certainement. J'aurais aimé certainement. Être ici. À l'époque de son passage sur terre. J'aurais aimé Mimi Branham nilipendelea le voir monter sur un cheval. Kumuona kisa alipanda juu ya punda. Et crier Hosanna. Analia Hosanna. Au fils de Dieu. Kwa mwana wa Mungu. J'aurais aimé nilipendelea être là quand il marchait sur les eaux. Kuja pale wakati alikuwa anatembea juu ya maji. J'aurais aimé être là quand il a ressuscité Lazare. Nilipendelea kuwepo wakati alimfufua Lazare. J'aurais aimé nilipendelea kabisa le voir. Kumuona pardonner les péchés. Alisamehe dhambi. J'aurais aimé. Mimi Branham ningalipendelea. Bali. Mais je crois. Mimi naamini toutefois. Hata vile que ce temps-ci. Ya kwamba wakati huu est le plus glorieux. Ni wakati wa kutufu zaidi. Oh. Ça dépasse même le temps. Ile ni zidi ya nyakati. Au jour de sa chair. Inapita wakati ya kati alikuwa duniani. Oh my. Oh la la. Il marche sur les eaux. Alitembea juu ya maji. Ndio, alléluia. C'est bon. Iyo ni sawa. Il guérit les malades. Aliponya wagonjwa. C'est bon. Ni sawa. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Il prend un pécheur. Anamchukua mtenda dhambi. Il est justifié. Alléluia. Akamhesabia haki. Il est sanctifié. Akamtakasa. Il est rempli du Saint-Esprit. Alafu akamjaza Roho Mtakatifu. Il adopte.
akamweka fasi ya bumwana. Cet homme vient mtu huyu akaja dans le néant fasi hapana kitu. Et il dit, na akasema kene crie sort d'ici kampanda katokele hapa kene crie sort d'ici kampanda kengine katokele hapa kene crie sort d'ici kampanda kengine katokele hapa. Depuis que le monde est mort tangu dunia ilikuweko dunia il n'a jamais été donné hajapewaka à un mortel binadamu. La création c'est Dieu kuumba ni Mungu mwenyewe. Je vais secouer quelqu'un. Wacha nimtikize mtu mmoja. Au jour de la chair de Jésus. Siku Yesu alikuwa mwilini. Il n'a pas créé. Hakuumba kitu. Il prenait ce qui existe. Alichukua kenye kilichoko. Il transforme. Akabadilisha. L'eau, maji, vin. Ikakuwa mvinyo. Pain, mkate, 5, 5000. 5000. Ikakuwa 5000. Mais aujourd'hui. Sasa leo. Ah papa, acha. Acha. Aujourd'hui. Sasa leo. Tu n'ayant. Fasi penyapana kitu. Je dis tu n'ayant. Fasi penyapana kitu. Je dis hein, tu n'ayant. Fasi penyapana kitu. Sala. Haya jameni. Un vrai croyant ça doit l'envoyer. Ah, dans une joie ineffable. Manake mwaminifu wa kweli angalipata furaha mwana pabure. Mais quand tu es là. Lakini kwa pale. Amen. Amen. Tu es suspect. Wewe ni mtumiwa. Parce que asema kwa sababu c'est l'heure ni ya utukufu kwa maana ni siku ya kuja kwake. Dis à ton voisin c'est l'heure de sa venue. Ni wakati ya utukufu. Pour enlever ce qu'il a racheté. Juu ya kunyanyua aliyowakomboa. C'est temps proche de la résurrection. Wakati karibu na wakati ya ufufuko. Tous les rachetés apparaîtront. Wakati ambao wakombolea wote wataonekana. Quelle glorieuse occasion. Bahati mkubwa ni fursa mzuri ya utukufu. Nous avons de parler à un peuple. Tunaambia watu. Qui se meurt. Wanaokufa. C'est une glorieuse ya kwamba ni wakati mzuri sana. Cela nous enflamme. Hiyo inawasha mioto. Et nous savons que l'histoire. Na tunajua kwamba historia arrive à sa fin. Inafika kukoma kwake. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Historia ya ulimwengu hivi sasa tatua nanga. Mais c'est un moment glorieux. Ni wakati ya utukufu kweli. Qui dépasse même le temps de sa chair. Inapita hata wakati yeye alikuwa katika mwili. C'est ça. Jésus lui-même. Yesu mwenyewe. A plus parlé de sa seconde venue. Mengi mengi alisemea juu ya kuja kwake kwa pili. Vous savez si vous voulez être béni dans ce message. Munajua ukitaka kubarikiwa katika ujumbe huu. Ne sois pas philosophe. Usikwe wa philosophie. La citation la veut dire quoi? La citation veut dire ce que ça dit. Kole unataka kusema nini? Anataka kusema gisi anasema. Que j'aurais bien aimé. Alasa nilikuwa napenda être au jour de sa chair. Kuishi wakati alikuwa mzima. Mais ce temps ici. Lakini wakati wa leo. Ce temps ici. Wakati wa leo. Ce temps ici. Wakati wa leo. Oh, jameni. Même David. Hata Daudi n'est rien. Ni bure. Hakuna kitu. L'Éternel est mon berger. Jehovah ni kiongozi wangu. Je ne manquerai de rien. Sitakosa kitu chochote. Et nous on va chanter. Si tutaimba. Le septième saut. Muhuri wa saba. Ramène Jésus sur la terre. Unarudisha Yesu duniani. Là David va dire. David atasema. Ça c'est quoi encore? Ah, ndio mambo gani ile? Weye nyamaza huwa maungu. On va chanter des choses. Tutaimba vitu. Qui vont donner des vertiges. Vitapatia watu kifunguzungu. À tous les chantres de l'ancien temps. Waimbaji wote wa zamani. C'est ça. Oh. Tu connais mon cœur. Unajua roho yangu. Oh Seigneur. Oh Bwana. Tu connais ma vie. Unajua maisha yangu. Les saintes écritures nous enseignent. Maandiko matakatifu yanatufundisha. Que tu es venu. Ya kwamba unarudia. Que tu es devenu. Unakuja. Toi-même péché. Wewe mwenyewe unakuwa dhambi. Afin que moi je sois. Ili mimi niwe. Elohim. Elohim. Ça c'est des fausses doctrines. Hii ni mafundisho ya uongo. Quand tu regardes, quand tu wakati uangalia hapo. Qu'est-ce que tu wewe unaona nini? David, quand tu regardes. Daudi wakati uangalia hapo.
Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Nous on voit. Moi si tunaona. Dieu dans la chair. Mungu ndani ya mwili. La parole. Neno lenye kuvaa mwili. Nous on voit. Si tunaona Mungu ndani ya mwili. Quand quelqu'un va dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'avec ce que nous chantons aujourd'hui, oh papa, acha, acha, acha. Acha. Encore, le fondement fondamental pour la foi. Musingi wa kwanza juu ya imani. 23. 23. Hein? Que je dise. Niseme. Que je dise à quelqu'un. Niambie mtu. Eh! Nam. Vous êtes la lumière du monde. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Non, je n'entends pas d'amen. Sijasikia amina. Jésus est la lumière. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Frère Branham est la lumière. Frère Branham ni ya kizazi. Et vous-même. Nini vile vile. Vous êtes la lumière. Nuru du monde. Za dunia. Il est écrit. Imeandikwa. Imeandikwa tena bwana. Alléluia. Vous êtes une ville. Nini ni mji. Situé sur une montagne qui ne peut être caché. Et nous ce soir nous devrions avoir honte. C'est quoi, j'ai crié même sur ma fille là. C'est honteux. Avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner. De la manière dont nous les représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Même moi quand je prêche. Hata mimi wakati ni ubiripo. C'est parce que vous êtes là. Ni kwa maana mko tayari pale. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher. Usinge likuwa pale mimi singe ubiri. Donc il faut dire que life est là. Sema life yuko. Parce que moi je suis là. Alléluia. Kwa maana mimi nipo. Et plus tu envoies ton amen. Ukituma amina yako hapa. Life se sent utile. Life asikia sema ni wa mafaa sana. Écoutez. Sikilizeni. De la manière dont nous représentons dans cette vie, il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament watu wa agano la kale n'avaient pas cette présence. Hawakuwa na hii uwepo. Oh. Amen. Mais vous, nini? Vous n'en êtes pas conscient. Amuya fumbula maneno haya. Amen. Ce que nous avons aujourd'hui. Tunacho leo. Ah. Acha. Amen. Amen. On a quelque. Non. Non. Nous avons quelque chose en nous. Daniel, tu tuna kitu kidogo. Qui peut prendre quelqu'un du vide. Kiweza cho kamata mtu fasie pabure. Faire de lui un milliardaire dans ce monde. Ikamweka akakuwa mtu wa bilioni duniani hapa. Amen. Amna amina. Ah. Ah. Comme on dit chez nous après notre chat de Kibéni. Vous n'en êtes pas conscient. Asema, hamuyari vumbula. Parfois, wakati ngine, vous vous référez à Eli. Mounangalia Elia. Eli. Oh, Elia Mutishibe. Papa, Tishbite. Oh. Mutishibe. Oh. Qu'est-ce que Eli? Elia ni nini? Aujourd'hui. Léo. Eli c'est quoi? Elia ni nini Léo? Par rapport à Branham. Mbele ya Branham. Zéro. Hapana kintu. Oh, donnez-moi un amen. Leta amina. My life. À Moïse. Mwana nilingalisha na Musa. Muna jangalia, muna angalia Musa. Frère, il a ouvert. Oh, Musa. La mer rouge. Oh, bahari mwekundu. Moïse. Oh, hivi na hivi. Moïse. Musa. Frère. Bwana. Ah, laisse Moïse. Acha, akina Musa. Qui est Moïse? Musa ni nani? Aujourd'hui. Léo.
Élie et ces hommes-là, Élie na watu wengine bale, c'était des grands hommes. Musa na watu wengine walikuwa watu wakubwa. Ordonnés de Dieu. Walioruhusiwa na Mungu. Mais, bali, ils n'avaient pas cependant. Hawakukua lakini, pas les privilèges. Hawakuwa na fursa que vous avez. Munayo nini leo? Ils n'avaient pas ces privilèges. Hawakuwa na hiyo fursa. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Sema amen. Hawakuwa na ile bati. Frère, pendant que je prêche, même Élie est étonné. Alléluia. Wakati na obira te Elia, ego na shangara. Quand je dis oratos. Wakati sema oratos. Il dit ah. Elia sema. A frère Branham, il dit ton disciple là, il dit quoi? Anambia frère Branham sa, mwanafunzi wako anasema nini? Il dit ça, ce sont les choses d'aujourd'hui, les affaires d'aujourd'hui. Mambo ya leo ya sasa. Ah, my. Ah, mama yake na mama. Il dit eh? Anasema, il n'avait pas ce privilège. Hawakuwa na hiyo bahati. Il ne leur a pas été donné la puissance hawakupewa uwezo d'accomplir wakutimiza comme vous kama nini s'en avez reçu mulipokea chacun de vous qui est en Christ kila moja miongoni mwenu walio ndani ya Kristo. En effet sasa pepea tu ils l'ont cru wakaliamini. Ils ont salué le jour wali pepea tu. Laissez-moi prêcher. Watani ubiri. Le jour ce n'est pas vendredi. Eh bwana, kama anasema siku aina ni juma. Ana Jumamosi. Alléluia. Abraham votre père. Abraham baba yenu. A vu mon jour. Aliona siku yangu. Le jour de Dieu c'est quoi? Siku ya Mungu ni nini? Dieu. Mungu. Dans la chair. Ndani ya mwili. Bwana. OK, quelqu'un me donne un alléluia. Et alléluia. Le jour de Dieu. Siku ya Mungu. C'est ça. Est-ce que vous savez que nous sommes les enfants du jour? Munayosa siku batoto ya siku. Un jour ne peut mettre au monde qu'un jour. Siku inazalaka paka siku. Frère. Ndugu yangu. Il a salué le jour. C'est quel jour? Ni siku kani? Hein? C'est un vendredi. C'est un samedi. Ijuma juma mosi wa. Muntu. Muntu mzima. Wana mupepea. Wana mupepea. Vous êtes bien là-bas. Ah, mwe kule muko bien. Nous ici. Si e huku. Nous sommes sous le sang des boucs et des taureaux. Tuko chini ya damu ya magombe na wambuzi. Ça ne marche pas. Ah, biendeke tu bien. Mais vous là. Lakini mweye. Vous êtes sous le sang d'Emmanuel. Lupemba. Chini ya damu ya Emmanueli. Regarde ce que vous êtes. Gezi mulicho. Tazama. Pourquoi nous chantons le grand jour c'est si coucou imesimama nini Dieu Mungu alitutembelea ça ça le jour ndio siku ile c'est ça le jour ndio yenye siku ile le jour muntu siku muntu mzima. Ils ont vu le jour waliona siku. Attendez subiri. Ils ont salué walipepea. Ils l'ont cru. Waliamini ile siku, ule siku. Il s'agit de vendredi? Ah, est-ce que ni siku ya tano? On croit un samedi? Utaamini siku ya sita ni ya Jumamosi. On croit un muntu. Ni kuamini mtu mzima. Hallelujah. Ils attendaient la venue. Walikuwa na subiri kuja. Bien avant et maintenant. Kabla. Na hivi sasa. Nous vivons en plein dedans. Tuko ndani ya ile shiku. Et nous en avons peur. Na tunaanza kuiongopa. Hein? Oh. Et ils attendaient qu'il vienne. Walikuwa nachunga ule mtu akuje. Mais nous le septième saut. Si wa muri wa saba. La ramener. Inamurudisha. Au lieu que nous soyons là. Bali tuwe pale. Alléluia. 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 Des danses et des danses. Na kucheza maringa. Toi c'est la peur. Wewe unaanza kushikia boka. Banga. Hein? Boka, on en gope. Les affaires, là, il faut aller lentement. Hein? On en a vite, il faut aller quand on a pour l'épaule. Oh non, vous savez, il y a des nouveaux qui sont là. Mon nom, on a beaucoup de choses. Le message, ce n'est pas un problème de nouveau. Ujumbe, c'est un problème de semence. Ujumbe, ni mbegu. Et quand la semence est là, mbegu ikuwepo pale, moindre lumière, ta. Nuru kidogo kachapa pale. Tu
vois seulement là quelqu'un dit, je crois ses affaires. Ah, c'est ça. Mais la femme au puits. Yule bibi kwenye kisima. On lui a pas prêché, laisse le péché. Hawakumhubiri kesema cha dhambi, acha hivi. Hapana. Discernement. Le premier jour. Siku ya kwanza wakafafanusha akili yake. Tu as eu 5. Ulipata 5. Le sixième qui est dans la chambre. Na wa sita ule unaacha nyumbani. C'est pas ton mari. Sio mume wako. Qui est cet homme? Uyu ni mtu gani huyu? Ne serait-il pas? Uyu hawezi kuwa tu. Le Messie. Masia. Venez. Njoni. Voir un homme. Muone mtu. Qui m'a tout. Ana. Alléluia. On discerne lui dit tout. Yote. Wanafafanusha. Yeko nasema yote. Wazi wazi. Tout. Kila kitu. Il y a un frère qui me disait. Ndugu mmoja alikuwa ananiambia, pasteur, bon, mchungaji. C'est bien que Dieu dans la chair humaine est une vérité. Ba ndio, Mungu katika mwili ni ukweli. Tous les jours, tous les jours. Sasa kila siku. Il faut aussi frapper le péché. Kwanza kuchapa kwa na dhambi. Frère Bernard dit aujourd'hui. Ndugu Bernard masa leo, il y a une bouteille là. Sijui kama kuna chupa hapa. Quelqu'un a une bouteille, montre-moi. Tu vois? Si tu prends cette bouteille, tu quoi, tu pas il est, ah, quoi. Tu mets la saleté à l'intérieur. Unaweka uchafu ndani. Inashuka kule chini. Si tu veux faire sortir la saleté dehors. Ukipenda kutoa ile uchafu, ne souffre pas pour introduire le doigt. Tu vas te blesser. Usitese na kuingiza kidole, utapata kidonda. C'est qu'il faut. Kiasi ustahili. Rempli seulement. Ongeza paka maji. Rempli. Ongeza kujaza. Parole. Kiasi kibaba neno juu ya neno juu ya neno. Sur parole. Juu ya neno. Ça va commencer à monter. Itaanza kupanda. Monter. Binapanda. Monter. Binapanda. Monter. Amen. Et quand ça déborde, ikafurika. Na uchafu unaanguka unafurika. Frère Nam, ce qui nous manque, c'est un message de remplissage. Nabii anasema kinachotukosa ni ujumbe wa kujazwa. C'est ce qui nous manque. Ndio kinatukosa. Depuis que tu prêches, tu dis aux gens, changez vos vies, changez. Ça, ça, ouais, mon Dieu, tant que rien ne va bien, ça va pas dire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Beko wapi? Ils injurient les gens lors de sur l'internet. Wana tukana na kwenye internet kwenye tovuti. Des païens. Wa pagano. Ils n'ont rien à voir avec ce message. C'est ça. Ujumbe haiwangali. Ce sont des membres des églises. Ni wana membres makanisa. Hallelujah. Non. Il faut qu'on l'a dit. Il faut qu'on l'ait qu'on a sema. Il adore Dieu dans Branham. Et qu'on a voulu mon dans Branham. C'est la sorcellerie. Si boulot, j'y voulais. Tu viens qu'on vienne adorer ça chez toi? On a peine à trouver tout mon boudou quoi que quoi nous. Frère Branham dit. Frère Branham a sema. La divinité n'est plus au ciel. Vous mungu, vous n'êtes pas kumbingu. Et nous n'adorons pas Dieu dans la crèche. Atuabudu Mungu katika kanyumba kawagombe. Mais nous adorons Dieu. Tunabudu Mungu dans un homme. Ndani ya mtu mzima. Et maintenant l'homme en question là, c'est toi. Ni wewe. Toi qui injuries les gens sur internet, c'est toi l'homme. Uona tukana na watu kwenye internet, ni wewe ndo mtu. N'importe quoi. Hein? Bintu bya ovyo. Frère Branham me dit. Frère Branham anasema. Dieu n'a jamais mis son nom dans n'importe qui. Mungu akuweka jina lake ndani ya mtu yeyote. Il a mis son Christ en Christ seul. Alilitia jina lake ndani ya Kristo peke yake. C'est là qu'il a mis son adoration. Ndimo alitia kuabudu kwake. Nous disons quoi? Si tunasema nini? Amen. Abraham avance il dit. Abraham anasonga anasema. Il a mis son nom. Aliweka jina lake. Et son adoration. Na kuabudu kwake. Dans son épouse. Ndani ya bibi harusi wake. Maintenant, l'épouse en question c'est toi. Bibi harusi ni wewe. Et pas Abraham. Haina Abraham. C'est toi l'épouse. Wende unakuwa bibi harusi. Et un frère qui me dit. Ndugu mmoja ananiambia. Pastor Life, moi je préfère encore. Pastor, j'adore Dieu dans life. Mimi napenda tu basi niabudu Mungu ndani ya life. Qu'est-ce qui vous gêne? Binakuwasha kunini? Qu'est-ce qui vous fait mal? Binakuwasha kunini? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'épouse?
Unajua bibi harusi ni nani? C'est un mystère. Ni kificho. Branham dit. Branham anasema. Un oracle de Dieu. Tamko lake Mungu. Un attribut. Cheo moja. Qui appelle d'autres attributs. Linakuwa naita macheo mengine. C'est ça l'épouse. Ndio bibi harusi yule. Un homme qui appelle d'autres hommes. Mtu aitaye mabwana wengine. Frère. Jameni. Le message et son messager. Ujumbe na mjumbe wake. Wamena kombrana memo. Gisi Branham amekufa. Ayez le courage de nous dire. Muwe na bidii ya kutuambia. De ne plus croire son message. Tushiamini ujumbe wake. Parce qu'il est mort. Kwa maana amefariki. Dites-le nous. Mutuambie wazi wazi. Il est mort. Amekufa. Son message aussi est mort. Ujumbe wake beba umekufa weka kule. Si nous on croit que même mort, si tu n'as mis pas ce matin toi kif, frère Branham est prophète. Frère Branham a navaki un nabi. Oya boy est allié. Ah, oula nagatala shauri yake. La sorcière d'Endor. Yuyu uyu mchawi wa Endor mlozi. Il a fait sortir Samuel. Akamtoa Samueli. Elle même elle crie je vois l'esprit de Dieu, un esprit. Ule bibi akasema nimeona roho ya Mungu. Frère Branham dit malgré la mort. Branham asema hata gisi alikufa Saul. Il était toujours prophète. Samuel alikuwa paka nabi. Pas seulement prophète de nom parce qu'il a même prophétisé ta mort. Sio nabi kwa kikusema bure alitabiriaka hata gisi alikuwa mwenye amekufa. Il a dit à Saul, tu ne me laisses pas calme dans mon repos. Unanisumbua kwenye likizo langu. Tu me déranges. Unanisumbua. Alors comme je suis sorti demain. Gisi natoka wewe kesho. Toi, kesho, wewe, tu me suivras utanifuata dans le royaume des morts. Uku niliko fasi ya wafu. Qui peut dire des choses comme ça? Nani anaweza kusema vitu ya vile? Si ce n'est un prophète. Ni paka nabii. Amen. Nous-mêmes, on est là en train de se battre là. Si non, c'est pas comme ça. Aina vile. C'est pourquoi le poète avait dit. Yomana muimbaji alisemaka. Aussi au mon incitation, incitation eko bunda. Sakona mikomi wili na kombana. Aussi au mon a Yesu na Yesu. Uchaona ka Yesu na Yesu wa kombane. Donc il y a des citations que les autres lisent, c'est ça le message. Kuna mikoo wengine wanasoma ule ile ndio ujumbe. Ils disent que c'est ça la pure parole. Wanaita sema hii ndio sauti safi. Le problème c'est que toi tu ne sais pas que moi je crois ce que toi tu dis. Mambo, auyo asema mimi naamini na vile wenyewe unasema. Hein? Hein? Mais c'est que toi tu n'accèdes pas. Bienye kula ufike. Tu dis oh, il n'a mis son nom qu'en Christ. Unasema alitia jina lake paka ndani ya Kristo. Tu as même un problème avec Christ. Unapata mambo na Christ. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle Christ. Bado haujaelewa Kristo ni nani? Tu as déjà un problème. Unakuwa mbele na tatizo. Parce que si on entre à ça, comment tu kiingia katika kilindi, tu risques de perdre encore les plumes et puis tomber kakaka. Manake mikuki tenda pasi ngine mabao yote takuanguka. Alléluia. Ils ont vu le jour. Baliona siku. De loin. Mbali. Ils ont salué le jour. Wakaipepea siku. Vraiment. Ils l'ont salué. Wakaipepea. Et ils l'ont cru. Na wakaiamini. Mais nous sommes dans le jour. Si c'est trop katika, si kuile. On se plaint. Tu n'as quoi na lia lia. Tu entends même un vrai fils de Dieu quand il te parle. On a si bien pitié. Le malheur sort même de son visage. Oh le iko na kana kwenye uso wake. Papa, ça ne va pas. Baba, abiendeke. Ima siku lakini acha. Vraiment, je ne sais pas si le message en question c'était seulement comme ça. Si vous êtes dans la ujum benye comme un jopaka ivi. C'est le message qui a un problème. Ujum benye na shida. Oh. Eh bwana. Tu sens la misérabilité dans cette déclaration, la misère. Mateso moi na mumisemo yake. Dans sa manière de parler. Mumisemo yake. Et même là, à un certain moment, tu as même du mal à exhorter. Wakati gani unasikia na vibaya kumuonya. Bon, c'est vrai frère, viens. Viens, on va prier. Parce que quoi tu ombe?
Tu vas dire quoi? Utasema nini? Pasteur. Mchungaji. Je souffre trop. Mie, mateso pa mateso. Quand j'étais païen, j'étais bien. Wakati kwa sijajua Mungu nilikuwa sawa. Mais tu perds le temps, frère. Sasa, manake unaponda muda. Retourne pour toi dans le monde. Rudilia là, tu étais bien. Kule ulikuwa vizuri, sawa. Oh. Nous on est dans l'affaire. Si tu vois mambo yenyewe. On est dans la chose. Tu katika kitu chenyewe. Hein? Si ndio. C'est nous. Ni sisi kabisa. Quelqu'un dit c'est nous, c'est nous. Sema ni sisi kabisa. C'est nous là. Ni sisi hapa. Comme on dit en lingala toko konza mokilioi. Yo sema kaza toko konza mokilioi. Shindo tutaongoza. Idudi. C'est nous qui allons diriger les choses. Si nous t'aongoza vitu. Avec ce que nous avons comme puissance. Na kenye tulicho nacho kama vile uwezo. Avec ce que nous avons comme parole. Na hiki tunacho kilicho sauti. Avec ce que nous avons comme connaissance. Na hiki tunayo kama ujuzi. Je vous dis frère, tu vois ce que je vous prêche là. Jameni mnaona vina wambia. On peut prendre une sœur ici. Unaweza kubeba dada moja hapa. Allez l'amener dans le plus, la plus grande église pentecôtiste. Uende kumpeleka mkanisa mnene wa Pentecôte. Ça sera le meilleur prédicateur. Atakuwa mama mhubiri mnene. Ce que nous nous connaissons. Hii tunajua hivi. Ce que nous avons. Tunacho leo hiki. Tulicho nacho. Un jour j'étais à Kinshasa. Siku moja nilikuwa Kinshasa. Je suis entré dans le bureau du procureur Kabange. Nikaingia kwenye ofisi ya procureur akina Kabange. C'est lui qui a le droit d'arrêter même le président de la République. Yende mbulu matara alipewa anaruhusa ya kuweza kumshika hata. Les gens lui dit oh pasteur il faut que tu vas bien. Ni sawa? Mais attends, vous dans le message là vous êtes un peu comme des orgueilleux. Sasa mwen katika ujumbe mko sawa tu ya majivuno. C'est comme si vous pensez que vous connaissez trop. Niko sawa mnaonekana sawa mnajua. Exactement. Ndio. C'est nous qui connaissons mieux. Sinyo tunajua vizuri sana. Parce que celui-là que vous adorez là, c'est notre mari. C'est notre époux. Il cause avec vous dans des chambres. Non. Vous, c'est au salon. Et nous, nous entrons avec lui dans la chambre du septième sourd. Et c'est là qu'il nous dit des choses que vous, vous n'avez aucune idée. Oh, donnez-moi encore un amen. Il dit, ah, mais faites attention que l'esprit d'orgueil vous attrape. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Si je dis, le frère David qui est mince, est-ce que je t'ai injurié? C'est ce que tu es, non? C'est ça. Il faut qu'il y ait gros là. Il faut qu'on y mène. Est-ce qu'il y a de l'injure? Non. J'ai dit exactement ce que je suis. Et vous les pentecôtistes, vous n'avez pas la connaissance. Ce n'est pas de l'injure. C'est ce que vous êtes. Comment, comment? Tu pleures. Pourquoi tu es là en train de... Mbonoko parle. Ça ne marche pas. Lakini abibambe. Life. Life. Bon, comme tu es venu quand même. Ici, on a couru, lakini. Peut-être. À cause de tout. Labda. Ça me rappelle quand on était à Moulongoya. Quand les gens étaient guéris, quand on lui dit est-ce que tu es guéri, il dit pour le moment oui. Mais je ne sais pas quand je partirai. Peut-être que ça risque de changer. Oh. Est-ce que tu sens encore le mal? Apana. Apana. Oh. Mais tu es guéri. Oui, pour l'instant. Quoi David nous regarde là, il dit. David la tuangalie. Ces gens ici. Ababatu. Avec tout ce qu'ils ont. Na vyenye wanavyo. Ces
COD. Iko na COD. Volume 1. Moja. Volume 2. Ja kusema mbili. Conduite, ordre, ordre, doctrine. Na doctrine. Mais c'est aussi l'église où il y a plus de désordre. Njoo na kutosha njoo kanisa yenyewe mna fujo mingi. C'est ça. Quand tu vois ton frère en erreur, qu'est-ce que tu dois faire? COD. Qu'est-ce qu'il faut faire? COD. Mais avec ça, la guinille. Si na ile kitu. Ça ne va pas, frère. Frère, apana. Apana. Oh, moi j'aimerais avoir des gens comme des frères Colgate. Na penda kona kuwa na watu sawa Colgate. Hein, Colgate là. Colgate. La dentifrice là. Ouais, c'est un frère qui était venu voir frère Branham. Frère Branham a prié pour lui. Frère Branham en a mombé. Et aujourd'hui, Colgate n'est pas simplement aux États-Unis. Mais Colgate dans, dans, dans l'Indiana, là où ça a commencé. Alléluia. Hier, on était en train d'acheter les Colgate dans les magasins. Je dis, ah, c'est notre frère. Est-ce que ça là, Abraham peut même oser? On dit la Bible où Abraham était riche. C'est ma Abraham alikuwa mtajiri. Avec quoi? Nanini? Mille têtes de bœufs. Bangombe elfu. Hein? 500 têtes de moutons. Bankondolo miatano. Eh, c'est ça Bozu. En train de vivre dans une tente. Njo mtajiri yeko naishi muema. Oh, il est riche. Et il était content à son temps. Abraham, Dieu m'a béni. Dieu m'a bariki. Mais aujourd'hui, quand il regarde, Léo, ah, si moi j'avais ça, ah, ah, ah. Mais regardez la personne qui est dans cette affaire. Oh Seigneur. Bien, mais comment ça va? Haji Jui, oui, Abari. Amen. Bon, amen. Ça va. Ni sawa. Dieu nous fait grâce. Tuvitike poka vile Mungu anatujalia. Frère, les plaintes n'ont pas de vertu. Kulialia hamna uwezo. Que tu sois malade, que tu sois quoi, ugonjo, je te dis ce matin. Tangu asubuhi ya leo. Enterre tes plaintes. Ikia. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. J'aimerais même que tu dises déjà. Nataka useme tangu hapo. Je suis riche. Mimi ni tajiri. Là tel que je suis là. Je suis millionnaire. Dites-le. Ebu, tangaza. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Kwa mana utajiri, haiko paka hela pana. Au commencement, c'était la parole. Utajiri ni neno. Prononce cela. Katika mwanzo ilikuwa neno. Tamka neno lile. Enlève toutes histoires. Oh, je souffre. Oh, ça ne marche pas. Oh, ça ne va pas. Abiendeke. Abraham. Abraham. Qu'est-ce que tu dis de Lys? Unasemaje juu ya Lys? David. Daudi. Qu'est-ce que tu dis de Lys? Unasemaje kuhusu Lys? Oh, David était riche. Daudi alikuwa mtajiri. Pour avoir marié mille femmes. Ah. Juu ya anaoa wa mabibi elfu. C'est pas ça. Haina ile. Aujourd'hui. Léo. Il faut que tu impactes même l'environnement dans lequel tu vis. Fazali unagonga mazingira mwenye unaishi. Si tu le crois, tu dis amen, ça va arriver. Ukiamini unasema amina itafika. Pas un amen d'à peu près. Aina amina ya gosa. C'est pourquoi tous les jeunes qui sont dans cette église. Vijana wote walio ndani ya kanisa hili. Des gens que j'ai trouvé sans rien. Watu nilikutanisha bila kitu. Recevez ma bénédiction spéciale. Hebu pokee baraka za kipekee. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Faites les choses la, vitu qui doivent impacter votre environnement. Hivi ni vitu vitagonga mazingira yenu. Oui, frère. Hakika jameni. J'ai dit tu es plus qu'Abraham. Nasema wewe ni zidi ya Ibrahimu. Tu es plus que Moïse. Wewe ni zidi ya kina Musa. Il y a un prédicateur qui me disait. Moja là, il fait bien. Là, il fait bien. Il a des frères comme de Biltai. Et David Kalala. David Kalala. Il a des frères tels que les frères Dido. Ba Dido.
Il a cité les trois là. J'ai dit, il y en a plus. Ils sont cachés, ils sont là. Attends bientôt là. Bientôt. Quand ils vont comprendre dans quel temps ils vivent, les choses vont changer. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Dans son église, il a, tu n'as encore rien vu. Ah oui, on a kawé. Et moi, je crois dans ce que frère Banam dit qu'on pêche même des jets. Mina mini, moi le frère Banam, ça tu laisses pour nous attendre ma jet. J'étais en Italie. Il quoi, Italie? J'ai vu un jet, ça faisait 30 000 $. Mais on a jet à 30 000 $. Donc nous là, si on décide. Le problème, c'est comment. Voir les aéroports qui peuvent nous accepter tant, jusqu'à ce que ça arrive. 30 000, oui. 30 000. En Italie, j'ai vu ça. Italiano. C'est là où j'ai dit, maintenant, cette situation peut devenir visible. Donnez-moi un amen que je prêche. Tu es là, Uko pale. Un peu comme les disciples d'Élie. Ça va vile wanafunzi wa Elia. Élisée. Elisha. Regardez ces gens-là. Angana wale watu. Ils vont nous tuer. Watatuua. Prophète Élie. Elisha. Tu n'as même pas une machette. Auna hata na mupanga wewe. Ça ne fini de nous. Nasikia woka. Pendant qu'il parlait. Wakati alikuwa anasema. Élie riait. Élie alikuwa anacheka. Sois calme. Calme, comment on va mourir? Regarde sur la montagne. Plein de chevaux. Regarde la montagne. Ils viennent. Nous sommes appelés. Alléluia. Il n'a pas prié pour que ce qui était invisible agisse. Non, non, non. Hakuomba katasa vile si on ekana itende apana. Seigneur. Aliomba katasa mabwana. Cet idiot. Uyu mbumbafu marimi. Fais-moi grâce. Unijali. Ouvre-lui les yeux ne fût-ce que 5 minutes. Qu'il voie cet être qui est avec nous. Qu'il se rende compte que quand nous prêchons, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelque chose. Kuna kitu, frère. Jameni, pendant que je prêche, ubiripo, je ne suis pas seul. Il y a quelque chose. Kuna kitu fulani, si Dieu peut t'ouvrir les yeux, macho, tu peux voir quelqu'un kuna mtu, en train de nous influencer, en train de veiller akita, nzamu, pour qu'on sorte pas du message. Il dit stocke India ujumbe. C'est celui-là qui te guérira tout de suite. Ula takuponya kapa rafla. C'est celui-là qui va changer. Atabadilisha. Alléluia. Oh Seigneur. Bwana, ouvre-lui les yeux. Ufunue macho. Qu'il voie. Apate kuona. La grandeur de ce message. Ukubwa wa ujumbe huu. Hein? Hein? Quoi encore? Ouvre-lui les yeux. Mufunue macho bwana. Et tout d'un coup Branham dit. Na ghafla Branham anasema. Les écailles sont tombées. Pac! Maganda ikaanguka. Il a vu. Akaona. Des milliers. Maelfu. Et des milliers. Na maelfu. Et des milliers. Na maelfu. Au-dessus de ceux qui étaient là. Zidi ya yote ilikuwa wale walikuwa pale. Lakini wamewasha mioto. Dès qu'il a regardé. Alipotazama. Wewe mukemeshiwa. Il a changé de langage. Parce qu'il savait que l'invisible ici onekana peut devenir visible. Il kuonekana na macho. Oratos. Oratos. Frère, nous sommes pas seuls. Jamais, nous sommes pas seuls. Nous
ne sommes pas seuls. Même là où je suis, là, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui est ici. C'est celui-là ma force. C'est celui-là la force de mon ministère. Il est là, frère. Vivant. Et il n'est pas un ange écrivain. C'est un ange agissant. Celui qui fait des va-et-vient. Il descend là-bas, ils vont ici. Et quand il voit une requête là-bas, il entre ici. Et il est dit ici. Et toi tu dis, qui est allé parler à pasteur? Qui lui a dit mes choses? Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est celui qui est au milieu du message. Il est là. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Amen. Arrête. Arrête. Vous êtes devenu comme Paul. Alors qu'il allait sur sa route de bénédiction, il a vu quelque chose. Mais du coup, il est devenu aveugle. Toi aussi, tu as vu quelque chose. Mais tu es aveugle. Pour ne pas voir la bénédiction de Dieu derrière ce message. Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Il y avait un prophète qu'on appelle Anania. Ce n'était pas n'importe quel nom. C'était Ananias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Dieu lui parle dans la vision. Il dit, j'ai mon enfant. Mais il ne voit rien. Ananias veut dire Ananias nikusema, la grâce de Dieu. Nema ya Mungu. Et c'est Ananias qui est venu. Ni Ananias alikuja, il dit viens ici. Alasema, kuja hapa. Il y a une grande destinée qui t'attend. Kuna riziki nzuri na kuchunga. Tu seras le meilleur prédicateur. Utakuwa mhubiri mzuri kabisa. Après tout l'Ancien Testament. Baada ya agano la kale lote. Tu ne peux pas l'être tant aveugle. Hawezi kuwa mhubiri mnene wa kile kipofu. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Guéris ton fils. Mponye mwanako. Qu'il le voie. Aone. Et quand Ananias imposait les mains. Ananias alipomtilia mkono. Tum! Pap! Et aujourd'hui ce que nous étions. Na leo kenye tulikuwek. Il fallait qu'Ananias vienne. Ilibidi Ananias haje. Frères et sœurs. Mabibi na mabwana. Je vous présente Ananias. Na wanesha Ananias. Avec son message. Na ujumbe wake. C'est William Branham. Ni William Branham. Qui enlève l'aveuglement dans l'église. Anaondosha upofu kanisani. Non, non, non. Dites un amen. Sema amina. La Odyssée comment? La Odyssée vipi? Encore comment? Nu. Et? Hein? Mais? Bali. Il ne sait pas. Hajui. Mais pour sa guérison, il faut quoi? Acheter de l'or. Kununua zahabu. L'or. Zahabu. Et le colis. Na ile naitwa colir. C'est la guérison pour que les yeux s'ouvrent. Ni uponyaji kusudi macho afunguke zahabu. Et frère Banam dit l'or. Banam anasema zahabu. C'est de l'or éprouvé par le feu. Ni zahabu yenye ilipita mu moto. C'est-à-dire. Manake. Les batteurs d'or. Ule mupiga zaabu. Il frappe. Anapiga. Il frappe. Anapiga. Les scories sortent. Ile maskori natoka. Et lui-même. Piriti natoka yeye mwenyewe. Il voit son reflet. Akaona uso wake. Dans cet or. Katikati ya ile zaabu. Laissez-moi vous dire. Wacha nikwambie. Le grand orfèvre. Uyu mpiga zaabu mkubwa. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il a pris William Branham. Alimchukua William Branham. Il a frappé. Akampiga. Frappé. Chapa. Les scories sont sorties. Piriti katoka. C'est sorti. Ikatoka. Et Jésus s'est regardé. Yesu akajitazama. Il s'est vu. Akajiona. Eh. Y a quelqu'un qui ne croit pas. Kuna mtu asiamini. Yeah.
Cela me fait penser à une petite histoire ile qui s'est passée dans inanikumbusha historia kidogo ilifanyika katika kusini. Là se trouvait un foyer chrétien. Hapo kulikuwa jamaa ya Kikristo. Et dans ce foyer chrétien, na mwa hiyo jamaa ya Kikristo, il le Benjamin de la famille. Na ule wa mwisho wa jamaa Benjamin. Un garçonnet de 7 ou 8 ans. Kijana wa umri wa miaka 7 au 8. Allait à l'école de dimanche. Alikuwa anaenda shule ya Jumapili. Et c'est un brave garçon. Alikuwa kijana mzuri. Mais bali il avait peur de l'orage. Alikuwa anasikia woga ya pepo. Et particulièrement lorsqu'il y avait des éclairs. Kwa kipekee wakati kulikuwa miangaza. Et j'ai rencontré ceci à un homme l'autre jour. Nikahadithia mtu mmoja maneno haya. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été bon de vous. Wanakufanya wewe ndu Mungu ndugu Branham. Ils font de vous un Dieu, frère Branham. Frère Branham, oui, banakusema unakuwa Mungu. Eh bien, sawa. Vu que c'est un critiqueur, sawa, alikuwa mtu wa mashimango. J'ai donc pensé que nikafikiria kwamba je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Nilipenda nimukate kitambi. Pas pour blesser. Vous savez. Munajua. Mais simplement pour. Jutu. J'ai dit. Nikasema. Est-ce que. Sasa. L'effet d'annaître un. Kama mina kwa Mungu. S'éloigner des écritures. Niko mbali na maandiko. Voyez-vous. Unaona. J'ai dit. Nikasema. Non. Amna. Pas du tout. Sina mbali na maandiko. J'ai dit. Nikasema. Parce que Jésus. Kwa maana Yesu. A appelé le prophète. Aliita wa prophète. De Dieu. Ba miungu. Voyez-vous. Unaona. C'est exact. Ndio vile. Dieu. Mungu. Eh. Na. Ils disent. Wanasema. Eh bien, sasa, vous autres, nini wengine, vous essayez de prendre la place de Marcela. Jopaka vile. C'est tout à fait juste. Ni kweli. Dieu manifesté dans la chair. Tout comme il a promis. Paka vile aliahidi maneno yale. Que quelqu'un crie Alléluia. Sema Alléluia. Soko boy salamu kilina yo. Ukikata fanya ulimwengu wako. On t'appelle Muntu Nzambi, Muntu Nzambi, Muntu Nzambi. Tu veux prendre la place de Dieu. Unapenda kufanya Mungu ndio. Si toi tu veux prendre la place de Satan. Kama unapenda wewe fasi ya Shetani, beba na wewe. Ujichakulie. Mais nous nous prenons la place de Dieu. C'est la vérité. Quand on balore, le reflet de leur frère sorte sur l'or. Il se voit lui-même. Et quand Jésus regardait cet homme, il se voyait lui-même. Au point que il a, hata kusema, il a appelé un Dieu. Akaita Mungu. Il a appelé lui. Akamuita yeye Mungu. Un Dieu. Mungu. Mumoja. Pourquoi mon église reste maintenant? Ne dites plus amen. Kwa nini amseme tena amina? Ici. Apa. Des choses. Ditu. Étrange et particulière, kipeke, mais Bali, qu'on trouve utavipata dans la Bible. Ndani ya Biblia. C'est ce que les autres appellent des grandes choses. Mais pour nous, c'est normal. Kwetu ni kawaida tu. C'est ça ce que nous devons croire. Parce que si je ne crois pas ça, qu'est-ce que je vais encore croire? Ni sipo biamini ni amini sasa nini? Et puis je vous dis, je ne le crois pas à cause de vous. Na yambia, mimi siamini juu yenu nini. Moi je l'ai cru il y a longtemps. Maneno haya niliamini kitambo kabisa.
longtemps. Zamani. Ça n'a rien à voir. Manake haina kusema avec vous aujourd'hui. Ni juu yenu nini hapana. J'ai chanté des mystères. Nilimba juu ya siri. J'ai chanté des mystères, mon Dieu. Nilimba ka siri. Les mystères de la piété, mon Dieu. Siri ya kichwa. Celui qui était avec Adam. Aliyekuwa pamoja na Adam. Le voilà qui descend de sa gloire. Tizama akashuka toka utukufu. Le voilà qui se pose sur son épaule, mon Dieu. Akasimamia akatulia kwenye bega lake. Un peu plus profond dans son cœur, mon Dieu. Akadingiza katika upana wa roho yake. C'est cela qui me dépasse, mon Dieu. Hiyo ndio inanipita kichwa jameni. 92. Dans l'église là où j'étais, ils ne croyaient pas ça. Mais moi, quand je lis, j'ai dit, oh. Quelqu'un a traversé le Jourdain. Il a ramené akarudisha le septième saut. Muri wa saba. Le septième saut, c'est la vie. Muri wa saba ni uzima. Le septième saut. Muri wa saba. C'est la ville. Yuzima. Longtemps. Zamani zakale. Longtemps. Manake zamani zana. J'avais déjà avalé ces vérités. Nilikwanisha meza ukweli huu. Moi, quand le pasteur Dio a prêché les sept honneurs et tout, moi, je n'étais pas là. Wakati pasteur Dio alikuwa anahubiri ngurumo saba sikukua kiako hapa. J'étais à l'internat, moi, j'étais à l'école. Nilikuwa kwenye shule. Et on n'avait pas l'internet pour suivre qu'est-ce qu'il dit. Hatukuwa na internet ya kufuata nini yuko anasema. Mais déjà là-bas, je croyais que les sept honneurs étaient révélés. Nilikuwa naamini sana ngurumo saba wazi ba kwetu. 17 ou 18 ans. Miaka 17 18. Parce que moi, j'ai cru le message avec 15 ans. Niliamini ujumbe na miaka 15. Et c'est pourquoi il y a les vieux de Kine là qui ont dit l'ifokola. Basé moi au Kinshasa, oh l'ifokoule. J'avais fait une réunion des ministres. Nilifanyaga kusaniko kongamano wa ubiri. Les vieux là ont dit mais l'ifokola, il a quel droit de faire des réunions? Rusa gani akufanya ama kukusaniko? Il dit je suis ancien. Hapa niko, niko mzee. Et je dois faire ça. Afadhali ni humu nifanye hiyo kusaniko. Je suis ancien. Un ancien selon Branham. Manake muzee kufuatana gisi Branham anasema. C'est l'arbre chronologique dans la foi. Ni kufuatana gisi uliamini sauti ya Mungu. Voilà. Pora bino bancien zaba suka pembe. Mwe mona muzee ni imvu. Il y a des petits qu'on a consacrés ici, des bébés, mais ils ont grandi dans le message. Ils sont des anciens. Plus que les gens qui viennent là, oh, j'ai cru en 2018. Vous n'êtes que Tchanana. Kadogo. C'est ça. L'ancien, c'est l'arbre chronologique dans la foi. Uze ni kulingana gisi muliamini, mulingia katika imani. 15. Aujourd'hui 46, bientôt 47. Leo inakuwa 57 ans. Miaka makumi. J'aurai combien d'années dans la foi? Takuwa sasa na miaka ngapi? 41, 42. 42. Et jusque là, je suis toujours un enfant. Hadi muna nena paka sasa mtoto. Hein? Qui a 40 ans, levez un peu la main. Nana sasa nisha miaka 40 hapo. Regarde. Mettez un peu de vous, frère. Les quarantenaires. Wa ma 40. Voilà. Voilà. Donc c'est tous ces gens-là. Ah, bote munona. C'est l'âge de ma foi. Ndio umri wa miaka imani yangu. C'est l'âge de ma foi. Ndio umri miaka ya kuamini kwangu. Et je bénis le Seigneur. Amen. Nambariki Bwana. C'est depuis là. Tangu hiyo siku. On me taxe toujours fausse doctrine. Sasa mafuta ya bongo ni. Mais vous n'entendrez pas. Amuta sikia kata mara moja. Wa kweli. Oh, alianguka. Asaliboye. Alifanya hivi. Aescroquer. Ariba makuta ya bantu.
Et laissez-moi vous dire ce matin, la bonne doctrine est accompagnée aussi d'une bonne vie. Ma fondation est bien. Il a senti qu'ils ont un match en aïe. Il y a bien. Ah oui. J'en fais les mamboïko. Oh non, c'est un petit. Oh, où est le mtoto? Hein? Tu sais que c'est, avant de venir, j'avais porté même mon insigne d'ambassadeur de la paix. Il faut la caille Dalili Yango est ambassadeur de la paix. Ah, mais vite. C'est dit oui. Nagoya Nango. Nayo. Parce que quand les gens m'injurent, l'État. Bante wana ni tukana lakini mbulumatari. Non. Banangara sa pana. Viens. Kuya. Prends. Beba. Les païens reconnaissent en nous quelque chose. Mais les pharisiens, Wafarisayo, les sadducéens, des religieux, Wamadini. C'est ça. Et ils sont pressés à injurier. Bekona araka kutukana. Et nous avons dit cette fois-ci, tu lisais ma passage. Vous parlez. Wona sema. Nous revenons parler. Je vous ai toujours dit que moi je ne suis pas Placide Kouamba. Qui garde les choses dans le cœur, ça lui fait mal et il souffre. Non. Tu parles, je parle. Citation, citation. Et on va voir ce que ça va donner. En réalité, c'est vous-même qui faites ma publicité. Il faut que des mots, Alors, il y a des gens aussi qui aiment bien venir voir un peu les démons. Qu'est-ce que le démon fait? Avandi, Anekala, Ayoki, Anasikia, Mercredi, Nagoya, Lissous. Ah, Mitakuya, Tena. Mercredi encore vendredi. Siku ya tato, siku ya yatano. Et dimanche. Siku ya jumapili. On pouvait avoir des gens comme ça, les gens debout derrière, les gens dans le couloir. Parce qu'on a voulu ça si maman peut venir mouler mon couloir. S'il n'y avait que des fausses choses ici là. Comment tu crois la vie tu es bon ou pas? Écoutez un peu ces gens là, ce sont des aveugles. Bah les voir tu les vas vivre pauvre. Ils ne voyaient rien. Hawaone kitu. Ils ont des écailles. Wana maganda. Frère Branham dit ceci. Du Branham anasema hivi. Je vous dis. Il parle de Balaam. Anasema Balaam. Balaam. Akina Balaam. Il était monté sur son cheval là. Alipandaka juu ya farasi wake. Il dit, Balaam, anasema Balaam ne voyait pas là où le cheval voyait. Hakuwa naona fasi, farasi alikuwa naona. Vous le savez, non? Si mnajua. Frère Branham dit, c'est pour la première fois, le cheval a dit, comment je peux lui faire comprendre que le gars ici en erreur? Nabi asema, kwa mara ya kwanza, farasi asema, et l'âne a adressé une prière à Dieu. Ule, punda akaomba Mungu. La langue des hommes. Unipatie lulimi lwa binadamu. Kraka, 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 kraka. Il dit, Mokonzi. Asa, mzee. Kitanam. Chef, choukambi. Qui me parle? Kitanano. Ezangai, Bunda. Mandem tu nazoloba. Mimpunda nyani kuna sema. Depuis quand tu as parlé? Depuis tout de suite là. Tangu linyu likuwa nasema, paka leo minanza kusema. Lelo fungula matoi. Balam, fungula machiki. Ozo nisuwe au defuate. Fungula machiki yo. Hii mambo hivi hata kuyaka tena. Omoni yo. Unaona weye. Uzo kende. Oke no benir batu wazana nzambe kuna. Una tatuna kulani bantu weko na Mungu. Tue ke le genre de prophète. Uko na biwa ache we na weye. Ha? Ha? Ils ont Dieu. Beko na Mungu bale batu. C'est que soit tu ne vois pas. Bienya one weye. Frère Branham dit. Frère Branham asema. Le lano lui a dit. Ule mpunda kamwambia. Ta vision n'est centrée que sur le mauvais côté de ces gens-là. Manake onyo yako ukoona paka upande mubaya wale watu. Alléluia.
les prédications que j'ai faites dans ce monde, des milliers et des milliers. Hein? Cherche seulement. Ici. Apa. Oh là là. Oh Seigneur. On prend la carrière de toute une vie. On a kamata kazi ya mtu ya mzima mzima. Balaam, c'est un aveugle. Balaam ni kipofu. Abando ko discuter na cheva longwa na. Azabisa atoka katoke pale. Yo yebi bangote. Akayu wewe bintu we. Kuna kuna. Kule. Bakanga ki bangona pa muhabitite. Basa ko wana na bambo habitu au kaone we. Batwana uzo 10 sana. Basa zero. Awana kindu. Tala. Angari. Tout ce que tu racontes là. Ibi bona seba seba. Ils ont Dieu. Beko na Mungu. Hein? Hein. Vous avez des enfants de 22 ans, 24 ans qui ne savent pas que j'ai des enfants aussi. Des enfants qui sont mariés. J'ai des petits-fils et des petites-filles. Mais il monte sur son ordinateur. Il faut que c'est un sorcier. Tu es sûr de ce que tu dis? J'ai ensorcelé ta maman. Hmm? J'ai ensorcelé ton père. Je prêche les choses dans mon église. Et mon église croit. Mais où est ton problème? Mambo yako iko. Qui t'a mis inspecteur de lice? Nani amekuleta kwa mkakuzi wa lice? Qui? Ni nani? Combien de jeunes frères ici? Na kijana moja hapa. On l'a même tapé, blessé. Wakampiga na kumtona kidonda. Parce que tu soutiens, il faut qu'on va te tuer aujourd'hui. Kwa maana namshika il faut qu'on tutakuua. J'ai des photos frères, des sang qui coule. Picha damu ndugu yako ravuya damu. J'ai entendu même l'audio d'un de ses parents. Si qui dit, moja wa bazazi yake kuna sema. Il faut qu'il ensorcelle les gens. Il faut qu'on a lokabatu. Et il va se faire soigner chez ma brebis. Lakini ekonda kujitibisha kwa mtu wa mkanisa yangu kondo wangu. J'ai dit à Israël, on va les patrouiller. Sema tutamuteka. S'il vient dans cet hôpital. Kama anakuwa mwe hospital. On va lui faire des chirurgies. Toi tu fais la chirurgie naturelle. Et nous on lui fait la chirurgie spirituelle. Tu sors comme ça, tu te réveilles dans 4 matins. Pourquoi il faut qu'on a la sorcellerie? Quelle sorcellerie? Parce que j'ai dit que j'avais lu. La politique est diabolique. C'est moi qui l'ai dit. Mindo nasema. Et j'ai dit aux gens, n'allez pas, ça n'existe pas. Niliambia batu c'est moi qui ai dit. Mindo nilisema. Ce n'est pas vous. Haiko wewe. Et après, quand j'ai vu que non, naona sema pana. Celui qui est rempli du Saint-Esprit peut aller. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Mnapenda nifanye nini? Que je sois comme vous. Nibakie ça, oui. Papa Mulongo ici, ce n'était pas, un député, c'était un député. Papa Mulongo, c'est quoi comme Mwanabunge ni Mwanabunge? Tu étais où tu es, je ne sais pas. Tu es député, non? Quoi comme Mwanabunge? Tu étais, non? Président. Est-ce que tu avais rétrogradé? Ulipungukiwa. Le groupe qu'on a acheté là, c'était avec l'argent de l'Assemblée que tu avais donné un peu, non? Moi, le groupe de l'Assemblée, Franga Kutogia Kubunge, il est tout dans l'ilet. Dans ce pays ici, oui, inti. Même devenir un PDG, c'est de la politique. On a quoi PDG, n'est pas la siasa, n'est pas ta place poste politique. Il n'y a rien de rien. Premier ministre, ministre, c'est de la politique. Waziri, n'est pas la siasa, bon. C'est ça. Hein? Nous avons eu des frères. Tu le vois na wandugu. Directeur de la SNEL. Directeur wa SNEL. C'est terrible. Et qu'est-ce que ce frère a fait? Comme il était de Shekinah. Il dit, ici, il faut que je laisse les marques indélébiles. Il a pris un transfert de tout un quartier. Il y a quartier mzima. Shekinah, piu. Asungi bisote. C'est là tout ça, idée.
Tu n'as pas ta transfo. Mambo inaisha, frère. Mambo inaisha. Mambo inaisha. Les histoires, oh non, le courant descend à 110. Élévateur. Mambo élévateur, convertisseur, à côté. On amène le courant. Si courant, tu connais. Tel que moi-même, je suis devenu l'ambassadeur de la paix. Je suis devenu l'ambassadeur de la paix. Si on arrête un frère en prison, mes prérogatives, ma yang, je peux venir Minezikuya. En tant qu'ambassadeur de la paix de la République démocratique de la paix, RDC. Fais-les sortir. Namutosha. Est-ce que toi et moi, on n'a pas fait sortir un frère de la prison? Si tu t'en sais, tu m'en as en tant que qui? Alors, un frère de cette église. Il était dans quelle prison? À Kassapa. On va le faire ceci, on va faire. Je suis allé. Et là, il ne faut pas partir en faiblard. Tant, j'ai dit. Carte. Dignitaire de la République. Dignitaire de la République. J'ai un enfant. Ah! Monsieur le dignitaire, assois-toi. Explique-nous un peu ce que facilité. Non, il y a un enfant, mon enfant. Vous l'avez mis là-bas et puis il n'y a pas de jugement. Tout. Je sais que tu auras honte de me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Cause avec mon petit là. Je suis sorti. Il a appelé. Bon, dites aux dignitaires. Un peu de petits trucs là pour des papiers, pour des trucs. Et le petit va sortir. Il dit petit, tiens. Achète les trucs qu'ils ont besoin là. Et le lendemain, le petit est sorti. Maintenant, si on n'est que faible. Dans le monde de demain là. Mais on va nous bouffer cru. Soyez des grands dans ce monde ici. Frère Banam parle de Joseph d'Arimathée. Frère Banam, oui, Joseph d'Arimathée. Ouais. C'était une brebis dans le tabernacle de Jésus. Un grand homme d'affaires. Un multimilliardaire. Mais Jésus n'a jamais parlé de son nom même à la chair. Alléluia. Un homme. Muntu moya. Frère. Et regardez un peu quelle influence il avait. Mutazame alikuwa na ushawishi gani? Un gouvernement comme les États-Unis. Tazama, Rome. Serikali sawa vile America, Rome. Ils ont un cadavre. Weko na maiti. Ils ont condamné. Et les Romains ont dit wa Roma sa mumpatie maiti. Et il a pris, il a enterré dans sa tombe des riches. Ana muzika katika kaburi ya watajiri. Et jusqu'aujourd'hui, je suis allé à Jérusalem pour chercher la tombe de lui-même, Joseph d'Arimathée. Je n'ai pas vu. Mais il a enterré les dons dans les meilleures conditions. C'est là où Frère Banam nous dit, nous les ministres, les dons ne peuvent pas être au service de l'homme d'affaires. C'est l'homme d'affaires qui doit être au service du don. Jamais. Hakuna. Même si tu as des millions. Attaque un million yak. Moi. Mimi. Jamais. Hein? Hakuna. Oh pasteur, je ne m'entends pas avec tel frère. Si c'est qu'ils ont un double flan. Il faut que tu lui parles. Quoi? On gagne naï. Moi, nous sommes là. Pasteur, au moins, moi, nous sommes là. Quel est? Non, pasteur, moi, mon toi. Avant même que tu n'arrives chez le pasteur, toi-même va. Kabla ujaje kwa mchwa jiwa. En tant que chrétien. Oui, mon Christ. Amen. Je refuse. Mina katal. Oh, je sors de l'église. Sors. Tokabashi. C'est un non-événement. Attends, mon atoka. Hakuna kintu. On
non, parce que si moi je ne suis pas là, le pasteur ne peut pas rouler. Maintenant là, je roule avec toi. Je roule à cause de toi. Oh. J'ai une philosophie. Avec ou sans toi, nous irons de l'avant. Avec ou sans toi, construirons cette église ici. Avec ou sans toi, nous aurons une belle église. J'ai béni le Seigneur jusque là. Tous les hommes d'affaires ne viennent pas me donner des ordres. D'ailleurs, moi je suis un électron libre. Et vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Écoutez, celui qui me donnera des ordres, il n'est pas encore né. Et le jour où il naîtra, akizaliwa, ça sera mon petit frère. Tena tawapa mdogo wangu. L'ancien gouverneur Kazembe, il m'avait appelé un jour. Liwali wa zamani Kazembe, alinitaka tuenda kuongea naye. Pastor Foko, est-ce que tu peux bénir le mariage de ma fille? Bariki harusi ya binti wangu. J'ai dit il est marié comment? Mais aliolewa namna gani? Non, c'est un pentecôtiste. Pentecôte hivi naye. J'ai dit excellence. Sasa mheshimiwa? Jamais. Sitaweza. J'ai dit oh. J'ai dit jamais. Sasa hata mara moja. Et il m'a beaucoup respecté à cause de ça. Akaniheshimia juu ya ile. Il dit beaucoup, ils auraient accepté. Asa wengi wangalitika. Moyennant quelque chose. Kumpacha kutubichwa. Mais j'apprécie ta position. Lakini na sifu sana papa, moi là. Asa, papa wapa unaniona mimi. Toi tu es devenu gouverneur parce que tu as des fondements, des assises, des connaissances. Mais moi je n'ai rien. Ni kwa serikali juko na ma base. Je n'ai que ce message ici. Mimi ni paka ujumbe. Je ne peux pas jouer avec ça. Manake siwezi kucheza na ujumbe. Jamais. Siwezi. Tu m'as connu à cause du message. Ulijua mimi ni juu ya ujumbe. Ils ne voient pas. Hawaoni. Ils sont aveugles. Waone vipofu. Tout ce qu'ils peuvent voir. Tu sais, un jour, Albert Einstein donnait cours. Si comment Albert Einstein alikuwa anafundisha? À l'université. Nika, chuo kikuu. Il a écrit. Akaandika. 1 × 3. Moja mara 1 fois 2. Moja mara 2. 1 × 3. Moja mara 4. 1 × 1. 1 × 2. 1 × 3. 1 × 4. 1 × 5. 1 × 6. 1 × 7. 1 × 8, 1 × 9. Et puis il a écrit 1 × 10. Ici, il a mis 3. Les enfants, ils ont acclamé. Il a mis 2. Il a mis 3. Ici, et il a mis 4. Il a mis 5. Il a mis 6. 7. 8. 9. Et puis ici, il a mis 20. 1 fois 10, il a mis 20. Oui. Toute la classe. Oh! Wote shule. Oh! Un faux professeur. Mwalimu wa uongo. Il a entendu comment les gens se sont moqués de lui. Anasikia kisi watu walimdharau. Et à la fin, il a dit. Mwisho akasema. Sur 10 exercices. Kwa hiyo maulizo 10. 9, très bien. 9 mzuri. Mais le 1. Iyo moja. Vous tous vous êtes centrés seulement sur moja. Et vous avez mis même ma carrière en doute. Na muna shakia pia ta kazi yangu. Voilà l'esprit de l'homme. Iyo ndio roho ya binadamu. Il ne peut pas voir. Hawezi kuona. Ce que tu as fait de bien. Même uliyofanya. Qu'est-ce que tu as porté dans le royaume? Nini uleta katika ufalme? Des âmes que nous avons gagnées. Mitima tuliyowina. Ne fût-ce que ça devait donner du respect. Ingalikupatia heshima ile tu. Il a dit. Ah, c'est l'aveuglement. Nikupofushwa. Laisse-moi terminer avec cette dernière citation. Tu es venu pour que Dieu te donne quelque chose, n'est-ce pas? Tu es venu pour recevoir quelque chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Frère Banam. Nous, Branham. Qu'est-ce qu'il dit ici?
Et je voulais que toi aussi tu puisses prendre ça vraiment un peu comme moi je le prends toujours. Je le prends comme ça sans interprétation, tel que ça, il a cru, brut. Il dit ceci. Possédant toutes choses. Kushika kila kitu. Paragraphe 83. Tamani na tatu. Oh là là! Oh là là! Combien j'aime cela. Mangapi napenda hii. La promesse du croyant. Ahadi yake mwaminifu. Vous direz. Namtasema. Qu'est-ce que cela a à faire avec nous? Hiyo inatuangalia kwa nini sisi? À chaque croyant. Kwake yeye mwaminifu. La promesse du croyant. Ahadi ya mwaminifu. C'est la vie éternelle. Ni uzima wa milele. La promesse du croyant. Ahadi ya mwaminifu. C'est la vie. Ni uzima. La joie. Ni furaha. La paix. Amani. La patience. Uvumilivu. La gentillesse. Uzuri. La patience. Uvumilivu. Le fruit de l'esprit. Matunda za roho. La guérison divine. Uponyaji wa Mungu. Il y a une douzaine de choses que j'ai inscrites ici. Kuna vitu kama 12 niliandika hapa. Qui sont vôtres. Vilivyo vyenu. Possession. Kushika. Cela vous appartient. Haya ni yako. Mais vous ne pouvez pas recevoir Bali, cela avant d'avoir combattu pour cela. Kabla mja ikombania. Cela est vôtre. Ini yenu. Tout ce qui est visible. Yote yanayoonekana na macho. Toute chose temporaire. Alléluia. Yote aliyo ya muda. Qui est visible. Inayoonekana. M'appartient. Ni yangu mimi. Non, je n'entends pas d'amen. Jusqu'à amina. Est-ce qu'une voiture c'est visible? Gari inaonekana na macho. Est-ce que c'est visible? Inaonekana na macho eti. Tala. Tazam. Frère Bernard dit quand Dieu a créé Eve. Frère Bernard anasema wakati Mungu aliumba. C'était une jolie femme. Alikuwa bibi mrembo. Quand Adam l'a vu, même le cœur d'Adam a fait doux. Adam alipomuona hata moyo wake ukagonga. Frère Bernard dit c'est ce que le cœur de fils d'Adam font. Na Bernard anasema njoo kenye watoto wa Adam wanafanyaka. Quand il y a quelque chose de beau. Akiona kitu kizuri. Ça fait doux. Moyo wake unagonga. Ce n'est pas la convoitise, non. Haina tamaa. C'est la nature d'Adam. Ni tabia ya Adam. Quand tu vois une belle voiture qui passe. Gari nzuri inapita. Mes frères, il ne faut pas seulement apprécier. Tout ce qui est visible, c'est à partir, frère. Ni yako jamani. J'ai dit tout ce qui est visible. Nasema yote aliyoonekana na macho. Tout ce qui est visible. Yote yanayoonekana na macho. J'ai dit tout ce qui est visible. Kila kitu kinachoonekana na macho. Frère, je te le donne. Prends. Nimekukabidhi nacho. Shika. Regarde. Tazama. Est-ce que nauliza. Avoir une belle maison, c'est visible. Et tu kama kwa na nyumba mzuri inaonekana na macho. Donnez-moi amen pour que je te le donne. Sema amina ni ukabizi. Dis un peu à ton voisin pourquoi pas. Ambia jirani sasa. Kwa nini hapana? Dieu va essuyer tes larmes. Mungu atakupanguza machozi. Hein? Dieu va essuyer tes larmes. Mungu atakupanguza machozi. Hein? Les pentecôtistes partent avec une belle voiture. Moi aussi tu passes avec quelque chose de plus grand que ça. Et tu les regardes, tu dis, le Dieu de qui est le plus grand? Le Dieu de qui? Mungu wa nani mkubwa? Le Dieu de qui? Mungu wa nani? Ok, quelqu'un me donne un amen. Sema amina. Ce jour-là, on m'a appelé pour prêcher à l'enterrement du gouverneur. Papa, on m'a donné 15 minutes. Papa. 15 minutes finies, c'était la peur de l'inconnu. Je suis descendu. Je suis parti. J'ai regardé beaucoup de frères de mon église. Ils avaient, pas l'orgueil, mais le saint orgueil. Fieri, moi, à bien. Ça c'est mon pasteur. J'ai parti pour aller me cacher, entrer dans le véhicule. Matondo a dit, il a ramené le Wrangler devant les ministres. Tous les ministres regardaient. Et moi je suis venu. Je suis entré. Ah, papa.
On est venu laisser Kiaboula ici là. Et moi je ne suis rien. Non. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, le vrai gouverneur, ce n'est pas lui. Le vrai gouverneur de la ville, c'est le pasteur. C'est lui le vrai maire. Dieu le bénit en tant que gouverneur. Mais Dieu aussi doit me bénir. Tout ce qui est visible. Commencez quand tu regardes quelque chose de bien, de visible. Là. Et avant que l'année ne termine. Ça là. Moi là. Mimi hapa. J'aurai ça. Kitu. Si tu le dis. Hivo, moi en tant que ton pasteur. Mimi kama wako, oratos. Oratos. J'ai dit alors tout cela. Nasema yale yote. Reçois-le. Alléluia. Au nom de. Jina la Yesu. Tout ce qui est visible, yote inaonekana kwa macho, toute chose temporelle, yote ya muda, qui est visible, iliyo inaonekana macho, m'appartient. Ni yangu mimi. Dieu me l'a donné. Mungu amenipa nayo. En effet, par Sasa, Christ, il me l'a donné. Kwa njia ya Kristo aliyenipa. Et les choses invisibles, visivyoonekana, m'appartiennent. Ni vyangu. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est ma Alléluia. Dis là où tu es. Visible. Ulipo inayonekana. Et invisible. Na isionekana. M'appartient. Qui yangu mimi. Je veux que quelqu'un commence à rêver. Nataka mtu rêve, rêve, rêve. Unataka nini waka, sois waza. Comme hein? Joseph, rêve. Kama Joseph, lota ndoto. Mwala, mwala, mwala. Mimi hapa, hapa mimi. Jésus-Christ comme sauveur. Jésus-Christ mokozi wangu. Et mon Dieu. Na Mungu wangu. William Branham comme mon prophète. William Branham kama nabii wangu. Life Lifoko comme mon pasteur. Life Lifoko mchungaji wangu. Et moi là. Na mimi. L'année 2024. Mwaka 2024. Ne peut pas terminer. Awezu kapalizika. Tout ce qui est visible. Yote naonekana na macho. Tout ce qu'un homme peut toucher. Yote binadamu anezi kugusa. Tout ce qu'on peut parler. Alléluia. Yote anezi kugusa. Ça m'appartient. Ni yangu mimi. Oh, que quelqu'un me donne un amen. C'est ma amina. Est-ce que ça t'appartient? Niyako. Là derrière, est-ce que ça t'appartient? Kule nyuma niyako. Est-ce que ça t'appartient? Niyako est-ce, nauliza. Est-ce que ça t'appartient? Niyako jameni. On ajoute. Tongeze. Même ce qui est invisible. Hata isionekana na macho. La guérison. Uponyaji. Le mabenesha. Mabenesha. Tout ça là. Ile yote ile. Reçois-le. Uipokeye. Il y a de quoi se mettre debout et même dire cela m'appartient. C'est pour moi. Ni yangu mimi. C'est pour moi. Ni yangu mimi. Je veux faire seulement une prière. Wacha niombe tu. Tout ce qui est dans le monde invisible. Yote liyo katika ulimwengu inaonekana na macho. Qui t'appartient. Ni yako kabisa. Que Dieu fasse le transfert. Mungu akupunguzie. Ce matin. Parce que ce qui est déjà ici. Kwa maana iliyo hapa. C'est déjà visible. Inaonekana. Hein? Eh. Tu regardes the life, tu dis. Life, unasema, ce costume qu'il a porté. Il est côté à meva. Pourquoi pas moi? Quoi? Alafu mimi. Et ça convoitise te. Aina tama pana. Hein? Ce qu'il a porté là. Il en va, il est. Pourquoi pas moi? Mbona mimi si vai. Parce que c'est visible. Et lui, en tant qu'un être visible. Il a eu la chose visible. Anapata kitu kakolekana na macho. Donc c'est aussi à ma portée. C'est pourquoi je vous dis frère. Il ne faut pas être dans la jalousie contre un frère. Usiwe katika bwivu kilicho nje ndugu yako. Le même Dieu qui lui a donné. Ule Mungu mwenye aliyempatia yeye. Il peut te le donner ce matin. Anaweza kukabidhi asubuhi ya leo. Et moi ma prière est que. Ombi langu ni kwamba. Je sais il y a beaucoup de gens qui ont perdu même le travail. Najua kuna watu wengi walipoteza hata kazi. On dit frère. Banduku. Que l'énergie, l'argent est à Kolwezi. Wanasema nguvu pesa iko Kolwezi. Est-ce que vous savez qu'on peut transférer les choses ici? Munajua tunaweza kuhamisha vitu hapa. Non, il y a pas d'amen. Hakuna amina. On peut transférer ça ici. Tunaweza kuvipeleka huku. Et tu n'iras pas à Kolwezi. Hautaenda ta Kolwezi. Et tu seras béni ici. Utabarikiwa hapa hapa. Donc que quelqu'un me donne un amen. Sema amina. Est-ce que vous savez? Munajua. Quand on se moque d'une région, wakati wanazarau jimbo fulani,
Vous êtes en train d'exciter Dieu. Muna mchokoza Mungu. Alléluia. Pour bénir cette région. Je bariki le jimbo. Un peu comme c'était dans toute la République. Sabia alikuwa katika inchi mzima. Le balubakati ino rien. Balubakati abana kitu. Le balubakati ino rien. Le katanga inutile. Lithium. Lithium piu. Oseka bokomona. Mucheke mutaona. C'est de cette même manière, c'est de Kolwezi là. Jovile na watu wa Kolwezi. Barakatuka bana bana c'est quoi là de Lubumbashi. Ah ba Lubumbashi. Ils n'ont rien. Abana kitu. Et nous aussi on va leur prouver. Tutaonesha sasa. Parce que moi en tant que pasteur, mimi kama mchungaji, je ne veux pas perdre mes brebis. Siwezi kupoteza bakondo bangu. Alléluia. Tu les cherches, ils n'est pas là. Unawatafuta bana hapo. Il est où? Il est à Kolwezi. Eh Kolwezi. Alors on va ramener les richesses ici. Tutarudisha leo utajiri hapa. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, que le sous-sol du Katanga, tini ya udongo Katanga soit béni. Ibarikiwe. Amen. Ce n'est que le début. Ni mwanzo. Que des grandes sociétés viennent ici. Ya makampuni makubwa itakuja hapa. Je le dis sous l'inspiration. Na isema chini ya ongozi. Que les grandes sociétés viennent makampuni ici. Makampuni makubwa yakuja hapa. Et que mes frères soient bénis. Wa ndugu yangu wabarikiwe. Ils le travail. Wapate makazi. Hein? Et pas un petit travail. Sio kazi ndogo. Suprême. Kazi mkubwa. Lève tes mains, nous allons chanter. Simama tutaimba. Écoutez au ciel et tout ce que chantez. Alléluia. Combien Jésus est riche en bonté. Et toi terre des hommes et bétail. Oh loué Cari. Oui combien combien. Combien, oui mon Seigneur, oui, oui, allez, oui, je, il nous a créé, chante à l'honneur de ton Dieu, elle est ta voix. Dans sa bonté, dans sa bonté, il se décida de nous ramener. Est-ce que tu peux lever ta voix? Naza kuomba na kuinua sauti yako. Alléluia. Et ce nombre, oh combien je veux. Lis, lis, combien, combien. Parle-lui maintenant. Dis-lui quelque chose. Elle est ta voix devant Dieu. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie je vois main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure. Parle à Dieu. Ongea na Mungu. Dis-lui, je suis là. Umwambie mimi ni hapa.
tout ce qui est visible m'appartient. Je le prends maintenant. Nayamini hivi sasa. Il est ici, parle-lui. Yeye apange naye. Tu dis Seigneur. Ebu mwambie Bwana. Ce qui est visible, yanayoonekana, je le prends ce matin. Naishika asubuhi ya leo. N'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je vis combien Jésus mourut. Et je pesais à ses pieds, et il ne touche pas mes remplis. Les consolateurs demeurent, oh, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur trois chemins, j'ai la joie jour la nuit, le consolateur. Quel est ce homme de Jésus? Alléluia,
marche sur les eaux. Alléluia. Quel est le temps de Jésus? Alléluia. Il fait voir les aveugles. Alléluia. Oh, le temps de Jésus. Alléluia. Il multiplie les pains. Alléluia. Quel est le temps de ici. Jésus. Alléluia. Il est là. Alléluia, tout le monde, amen.
Domishibwe, alléluia. Domishibwe, amen. Zolele Yesu, zolele Yesu, zolele Yesu. Alléluia. Kasi tu sois, amen. Zolele Yesu, zolele Yesu. Alléluia, ainsi tout soit, amen. Oh, qu'ainsi tout soit, alléluia, ainsi tout soit, amen. Ainsi tout soit, alléluia, ainsi tout soit, amen. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, chantez, alléluia. Il marchait sur les eaux. Seigneur, le temps est arrivé. Bwana wakati umefika. J'ai dit à tes enfants, niliambia watoto wako, tout ce qui est visible, yote inaonekana na macho, leur appartient au nom de Jésus-Christ. Yabo katika jina la Yesu Kristo. Maintenant même. Hivi sasa. Pas demain, maintenant même. Sio kesho lakini leo tu. Seigneur. Eh Bwana. Quand nous parlons de visible, wakati tusemapo yanayoonekana, nous voyons tout ce qui est dans le visible. Tunaona yote aliyomo katika yote yanayoonekana na macho. Kila kitu. Tout. Yote. Sans enlever un. Bila kutoa hata mmoja. Ça nous appartient. Yote ni yetu. C'est à nous. Ni yetu kabisa. C'est à nous. Ni yetu kivyetu. C'est à nous, tena, Seigneur. Yote ni yote yetu. Tu nous l'as donné ce matin. Umeitupa asubuhi ya leo. Le mariage. Arusi. Nous le recevons au nom de Jésus Christ. Les enfants. Watoto. Nous le recevons au nom de Jésus Christ. Des parcelles. Mpango. Fais le miracle, Seigneur. Même des gens qui n'ont pas l'argent. Avant que l'année ne termine. Kutuananga. Qu'ils aient aussi leur propre parcelle. Wapate. Pango zao kivyao. C'est cela le Dieu du miracle. Huyo ndo Mungu wa maajabu. Seigneur. Eh Bwana. Donne aussi de la provision. Ebu leta tena. Donne-leur de l'argent. Feza nyingi. Pour qu'ils construisent. Usudi wajenge. Afin que nous disions. Ili. Tout ce qui est visible. Yote ipate kuonekana. C'est pour nous. Yote naonekana ni yetu. Tu as dit tout ce qui est invisible. Ulisema na isionekana yote. Ça nous appartient. Ni yetu vile vile. Si quelqu'un a besoin du Saint-Esprit. Ngako na mtu anataka Roho Mtakatifu hapo. Si quelqu'un a besoin d'un ange. Mtu akitaka malaika. Oh Jésus. Eh hey, Yesu. Ton prophète dit. Nabii wako anatuambia. Alléluia. Alléluia. Ton prophète dit Seigneur. Nabii wako anatuambia eh Bwana. Quand nous sentons un feu qui tombe du ciel, wakati tusikiapo moto na ukatoka juu, ça va toucher nos maladies, utagusa magonjwa zetu, ça va toucher nos problèmes, utagusa maisha yetu. Je sais que cette présence est maintenant même. Najua uwepo huu ni hapa tayari. Seigneur, celui qui est malade maintenant, aliye na ugonjwa hapa Bwana, laisse que cette chaleur, wacha joto hili, laisse que ce feu là qui vient du ciel, moto unatokea kumbingu, tombe dans son cœur, waonke moyoni mwake. Tombe dans son être. Waonge ndani ya mtu wake. Tombe dans son âme. Waonge ndani ya mtu wake. Tombe dans son corps. Waonge ndani ya mwili wake. Au nom de Jésus-Christ. Katika Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Oui, Seigneur. Ndio Bwana.
ton ange est là. Malaika wako ni tayari. Il peut toucher quelqu'un. Anaweza kagusa mtu mmoja. Enlever tout ce qui est problème. Kondoa yote ni kwa matatizo. Le rendre libre, léger. Na kumpatia kwa uhuru mwepesi. Laisse que le feu du Saint-Esprit. Wache moto wa Roho Mtakatifu. Descende dans un tel être. Usuke ndani ya mtu kama huyo. Descende dans mon frère, descende dans ma sœur. Ndani ya ndugu na ndani ya dada. Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu malade. Bwana kuna mtu aliyekuja hapa na ugonjwa. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Celui qui a des problèmes dans la tête. Anaena shida des maladies dans la tête. Ugonjwa kichwani mwake. Je le chasse. Na yafukuza. Que ce soit des nerfs. Wawe wa mama. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Na yafukuza katika jina la Yesu. Ça peut être des problèmes des yeux. Démon des yeux qui vient déranger les enfants de Dieu. Que le feu de Dieu entre là-bas. Qui détruise tous les microbes. Au nom de Jésus-Christ. Démon des yeux. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Sinusite. Toi qui viens toucher les enfants de Dieu. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, papa, Baba, je te demande, na kuomba, celui qui a des problèmes de main, anaena shida ya mikono, la main qui ne bouge pas, mkono usiotikizika, il y a manque de mobilité. Kono, laisse que la guérison tombe uponyaji ushuke dans un tel corps maintenant. Que le feu de Dieu descende. Que le bras qui ne bougeait pas bouge maintenant au nom de Jésus-Christ. Appendicite. Myome. De kyste. Makisto. Tu es le médecin qui opère sans cicatrice. Maintenant même, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. L'hernie discale, l'hernie même. Inguinal, je le chasse. Dans tes enfants. Que celui qui sentait le mal. Que le mal disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a des problèmes cardiaques. Le cœur qui ne fonctionne pas bien. Seigneur, maintenant. Touche le cœur. C'est toi le grand médecin. Ça peut être la tuberculose. Ça peut être des maux de rein. Ça peut être des maux de foie. Ça peut être l'estomac. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tous ces démons d'aller dans des lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne bouge pas ses pieds. Qui a la paralysie. Seigneur, c'est toi qui as guéri mon épouse. Tu lui as redonné la mobilité. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux le faire chez quelqu'un. Là où les pieds font mal. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Que maintenant tes enfants reçoivent la guérison. Seigneur, je crois. Ils ont reçu la guérison. Je crois que le feu de Dieu a touché quelqu'un. Soit loué, soit béni, soit exalté. Ce qui m'avait dit, c'est toi qui m'avais dit ce jour-là. Que c'est déjà accordé. Et ce soir, ou cet après-midi, nous disons, Seigneur, c'est déjà accordé. Nous t'acclamons pour la guérison. Nous t'acclamons pour les bénédictions. Sois loué. Sois béni. Sois exalté. Au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, nous le demandons ainsi. Que tous ceux qui croient que Dieu les a bénis, qu'ils ont reçu, qu'ils disent alors Amen. Amen. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Je crois que c'est déjà fait. 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 Amen.
Y a-t-il quelqu'un qui avait un mal quand il est venu ici? Et quand nous avons prié, il sent que le mal a disparu. C'est vrai. Les mains, je vois les mains. Viens un peu, frère Mbongo. Dis-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, ça faisait longtemps que j'avais des douleurs ici au niveau de mon fosse iliaque gauche. Quand j'étais là, j'essayais de me tenir debout pendant la prière. Je ne résistais pas. Alors j'étais conduit à desserrer un peu ma ceinture, ainsi je me suis assis. Et j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et vraiment, c'est une douleur qui m'a vraiment dérangé longtemps. Et quand le pasteur a commencé à citer que s'il y a des gens qui ont des problèmes, même de l'appendicite, je me suis appuyé et vraiment, je me suis senti que les douleurs sont parties. Que le nom du Seigneur soit loué. Acclamez le Seigneur Jésus. Viens, Dani, viens. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois qu'il y a eu des miracles ce matin. Je crois qu'il y a des miracles ce matin. Shalom, Église. Bonjour, j'avais des douleurs au niveau du bas du dos. Quand le pasteur priait, là, je sentis que je suis guéri. Dieu bénisse. À la manière de Daniel. Amen. Il a senti quelque chose, donc. Les douleurs ont disparu. Oui. Sœur, tu viens. Donnez-nous un micro un peu rapidement là. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu vous bénisse. J'avais des douleurs hier, depuis hier, avec mon pied ici. Maintenant, quand les pasteurs, j'avais mal de marcher, j'avais du mal pour marcher depuis hier. J'ai même dit à maman, je ne me sens pas bien. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Quand le pasteur priait, je dis, le pasteur ne cite même pas les problèmes de pied. Une fois, il a cité les problèmes de pied et j'ai senti la douleur a disparu. Ah. Et y a-t-il un autre frère? Oui, Jason, viens un peu. Attends un peu. Ouais, papa Mbombo, tu vas venir. Venez. Dis à ton frère, il y a eu des miracles ce matin. Ouais. Shalom Église. J'avais des maux de tête, ça me faisait très mal. Et je suis allé à l'hôpital, je pensais peut-être que c'était de malaria. Mais je me sentais toujours mal, je ne pouvais même pas sauter. Mais dans la prière, j'ai senti le pasteur prononcer concernant les nerfs et tout. Je me suis dit, ah là c'est moi. Et tout d'un coup, donc, je me suis bien senti. Et tout d'un coup, ça a disparu. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Ouais, papa Mbombo, qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ton frère, il y a eu beaucoup de miracles ce matin. Il y en a eu beaucoup. Shalom, bien-aimé. Tout ce temps, ça fait presque une année. J'ai souffert les douleurs dans tous les corps. Alors, je suis allé à l'hôpital. Il était arrivé que je ne pouvais même pas marcher. Mes enfants sont ici dans l'église, sont témoins. Je pouvais marcher depuis là où je suis jusqu'à la porte là, je me mets assis. À l'hôpital, aux cliniques universitaires, on a examiné, on a pris des radios. J'ai des disques, des CD, des radios lombaires. Et puis, on a déclaré une maladie que je n'avais jamais entendu le nom, l'arthrose. Actuellement, ma fille est là, Rebecca, elle travaille au clinique universitaire. Elle est intervenue, on m'a soigné, on m'a donné des produits même dont les réactions. On a mis dans les réactions là que ça peut vous plonger même dans le coma. J'ai dormi comme un mort, même pendant la journée. Ici dans l'église, ici, j'ai forcé pour me mettre debout. Mm-hmm.
actuellement, je suis soumis à la kinésithérapie. Le vendredi, j'étais là. Et la semaine prochaine, je continue la kinésithérapie au clinique universitaire. Mais pendant que le pasteur prêche, moi, c'est pendant la prédication que j'ai senti la chair de poule. Alors, quand le pasteur dit de sauter après la prière ici, j'ai sauté. Oh. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Acclamez le Seigneur Jésus-Christ! Je vous dis, frère, il y a eu des miracles ce matin. Dis-le encore à ton voisin, il y a eu beaucoup de miracles ce matin. Alléluia. Y a-t-il encore une soeur? On pouvoir s'arrêter là, qui a senti quelque chose, une différence de ce côté ici. Ah, gloire, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Que Dieu vous bénisse. Ah. En tout cas, moi, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Yeah. C'est depuis l'arrivée du pasteur. Je crois que beaucoup de gens connaissent, même le docteur Israël est ici. Je souffre sérieusement. J'ai un problème de colonne vertébrale. Et souvent, quand je m'assois là-bas, je ne résistais pas. Souvent, vous me voyez, je mets mes mains comme ça. Donc, les vertèbres coinçaient les nerfs. Alors, quand je me mets comme ça, j'avais des douleurs terribles. Mais les jours de l'arrivée du pasteur, comme c'était mon anniversaire, on avait beaucoup dansé ces jours-là, l'anniversaire, et j'avais des douleurs atroces. J'ai dit à mon mari, en tout cas, il faut m'ajouter les produits cette nuit, sinon je ne verrai pas de pasteur demain. Mon mari est sorti, il est parti m'acheter les médicaments. J'ai pris les médicaments la nuit. Et le matin, nous sommes venus à l'église. Quand le pasteur prêchait, quand il disait que moi que vous voyez ici, je suis la résurrection. Quand il dit que je suis la résurrection, je ne sais pas si tous ceux qui étaient là-bas, s'ils entendaient ce que moi je disais. Je disais, comme tu es la résurrection, ta résurrection est ma guérison. Chaque fois quand il dit que je suis la résurrection, je dis que ta résurrection est ma guérison. Après cela, et avant ça, on est sorti pour l'accueillir. Nous sommes sortis, j'ai sauté. Et pourtant, je ne saute pas. Je ne fais pas de mouvement. Même quand je prépare même à manger, si je fais seulement trois va-et-vient, je dois rentrer et me mettre les dos par terre. J'ai souffert énormément. Et les jours-là, le pasteur prêchait. Il a dit que, il avait dit une déclaration comme ça. Il a dit quoi, j'ai oublié. Il a fait une déclaration et il a dit qu'une sœur, il chantait ici, je crois, c'était en Europe ou au Canada, une sœur avait un problème de dos. Et la sœur-là était guérie sur place. Et moi, j'ai dit que moi aussi, je dois être guérie. Mes chers frères et sœurs, depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, vous me voyez même chanter, danser et sauter. Et le jour du concert, mon mari s'est étonné. Il a dit, ah, aujourd'hui tu as dansé. Je lui ai dit que la résurrection du pasteur, c'est ma guérison. En tout cas, mes frères, je n'ai aucune douleur. Je saute, je danse. Et je fais tout. Pour porter les souliers, je devais prendre les médicaments pour porter les souliers. Mais depuis que le pasteur est là, je ne prends rien.
Que Dieu vous bénisse. Ah. Vous croyez que c'est seulement des choses où on dit par là. Non. Il y a des vertus. Et j'ai dit, ça commence, même si tu ne sens rien. D'ici mercredi, le mal va disparaître. Et le mercredi, ça sera pour témoigner. Tu reviendras ici avec les témoignages. Est-ce que vous savez, moi, la nuit, j'ai beaucoup pleuré. Pour que le visible vous appartienne. Et que l'invisible aussi vous appartienne. Que quelqu'un dise, je le reçois. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont venus de Pointe-Noire. Ils sont où? Le frère Brett avec son épouse. Ils sont venus pour voir un peu notre ville. Voilà, ça c'est des jeunes gens qui sont venus du Congo, Brazzaville, de loin. Le frère Brett avec sa femme. Ils sont là, que Dieu vous bénisse richement. Soyez vous, voilà liste tabernacle que tu as toujours entendu. Ok. Notre frère Kachala Dodé, il est où? Ah, viens frère. Le frère Kachala Dodé, il vient vous informer que j'ai choisi le pasteur du Fogo comme mon pasteur. Et j'ai choisi le tabernacle comme mon église. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Notre frère Dodé, il est là. À la sortie, environnez-le. Demandez-lui son adresse. Que Dieu te bénisse richement. Allez vous asseoir. Moi, je te reçois aussi en tant que brebis. Que Dieu te bénisse. Il y en a beaucoup. Des frères qui viennent des autres églises. Comme je disais, plus vous nous injuriez, plus ils vont venir encore. Et quand ils viendront, ils écouteront, ils ne repartiront plus jamais. Tu sais, le nom qu'on m'avait donné, on m'avait donné un nom, les voleurs de brebis. Ils volent les brebis. C'est comme si je les appelais au téléphone, c'est comme si je ne sais pas. Non, c'est seulement la renommée de Salomon. Qui est parti et qui amène les gens ici. Et il y a aussi un enfant consacré, frère Eli, et de la famille Hakim. Donc, amenez l'enfant, comme ça nous allons prier pour lui. Sacré des enfants. Écoute la voix du berger venant du désert sombre. Sœur, tu es venu seul. Le frère n'est pas là. Il est parti. Il est parti où? À Koulouisi. Voilà pourquoi je veux que. J'ai besoin de ma brebis ici pour consacrer l'enfant. Il est parti à Koulouisi. On va renverser la situation. Seigneur Dieu, je te remets cet enfant Péniel que tu as donné à notre frère et à notre soeur. Bénis les parents, donne-leur des moyens pour élever cet enfant dans la voie du Seigneur. Et en tant que ton serviteur, je consacre cet enfant à toi pour la gloire du Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Péniel, que tu puisses grandir pour servir le Dieu de William Aaron Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je te consacre ainsi à Jésus, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Dieu, je te prie de bénir cet enfant Marie et de bénir aussi les parents. Bénis notre frère Laouida Kolozi. Bénis aussi ma soeur et bénis aussi cet enfant. Puisse-t-il grandir pour te servir au nom de Jésus-Christ. Marie, que tout temps forgé contre toi soit sans effet. Ainsi je te consacre à Jésus. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le programme est que le dimanche prochain, nous aurons un seul service du lever du soleil. Nous commencerons notre culte donc à 6h. Pile. Faites un effort. C'est un service très important. Et nous allons terminer donc à partir de 8h, 8h30. Le culte sera terminé. 9h déjà, on est dehors. Comme ça, tout le monde peut repartir chez soi. J'avais pensé faire des cultes, mais il y a le pasteur Racheté qui m'a demandé de faire un tour dans son église aussi, comme il n'est pas là, et de tenir le service de Pâques. Donc juste après ici, j'irai là-bas. Il y a aussi... Hein? Vous serez là? Ah! Bon, il faut aussi être le soir chez le pasteur Ben. Là-bas, chez Ben, là-bas. Bon, ils n'avaient pas de parcelles. Hein. Moi, j'avais prophétisé. Vous étiez là, non? Oui, j'avais dit, vous aurez une grande parcelle. Parce que ici, ce n'est pas chez vous. Donc, ils ont eu la parcelle. Et ils ont construit même. Donc, ils ont besoin que nous allions prier pour ça. C'est vrai, je suis devenu distributeur de terrain. Je suis même en train de voir. Il y a un pasteur, Abraham Mpiana. Bon. Lui là, il est venu me prendre, on était à Kinshasa là. Pasteur, j'ai appris que toi tu donnes des terrains aux gens. Viens aussi me donner. C'était un lundi, je crois. Ouais, ouais. Et il y a eu beaucoup de gens. Et là-bas, j'ai fait des déclarations. J'ai dit la puissance de métamorphose, la finalité que vous avez, le terrain que vous avez. Et là, il m'a appelé. Il dit, on vient d'avoir la parcelle. Tu me pâtes le pango. Mais. La kini. Mais. La kini. Je n'accepte aucun autre ancien. Pour commencer le culte, il faut que tu viennes. Peu importe là où tu es. C'est là où ça devient compliqué pour moi. Il faut savoir gérer aussi les bénédictions de Dieu. Et c'est encore loin, mais le 15 avril... Je vais prendre l'avion ici, je vais aller voir le médecin à Paris. Paris. Et après le check, je reviens ici. Je resterai autant que Dieu voudra jusqu'à ce que je vais repartir. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ma main. C'est toujours une bonne chose que. Nive Masana. D'être là. Quoi parle? Il est parti, le commandant. Bon, il est parti. Il est, le capitaine, il est sorti. Lui, il m'a amené des gardiens. Et il est là, il doit être là. Il m'a amené des gardiens. Ce sont des policiers qui me gardent. Ce qui fait ma joie. Il n'est pas tiré. C'est quand je vois James, l'autre policier. Mets-toi un peu debout. James, un frère. Police, frère. Alors ça fait du bien. Bien. Quand on est gardé par un frère. Et l'autre aussi, le frère Paulin aussi. Paulin. Lui aussi c'est un vieux frère même de Mbujimayi. Le frère Wazamani a coulé Mbujimayi. Et lui-même le commandant aussi c'est un frère. Donc ça me fait du bien. Bien. Là même nous cherchons déjà les taya. Passons tout à la tafta Kamoto.
Comme ça, comme frère Branham, on va avoir ça. Pas pour tuer, mais pour faut qu'on avoue. Bon, c'est juste pour faire rire. Que Dieu vous bénisse richement. À tous et à toutes, on se revoit donc le mercredi. Et si tu encore une fois, il y a des miracles qui se sont opérés. Et nous allons nous retrouver donc le mercredi. À tous et à toutes, un grand shalom. Shalom, il y a le pasteur Michel, c'est Michel, non? Ah, toi, tu es un homme d'ici. Mets-toi debout qu'on t'acclame quand même. Ça, c'est le pasteur Michel. Le pasteur Michel. Il nous a visité ce matin. Et Dieu le bénisse. C'est aussi un pasteur, papa. Non? Hein? Un ancien. Ah oui, je vois ce visage-là. De Kananga. Ah, vous allez en Afrique du Sud. Tu as marqué un arrêt ici, hein? Ah, c'est qui? Crispin, c'est ton père. Mets-toi un peu debout. Ah, ok. Ah. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est là où j'ai... Pouvez-vous asseoir? C'est là où je donne raison au professeur Malumba qui dit... Non, tu as raison, professeur. Tu es un professeur vraiment. Parce que dans ma classe, il y a et des papas et même des enfants. Et tous, ils ont la même compréhension. Shalom. Shalom.